Chères Uliciennes, chers Uliciens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit CM. Ce soir aura lieu le dernier conseil municipal avant les vacances d'été et nous allons décrypter pour vous quelques délibérations. Commençons par une délibération concernant le projet d'extension du centre commercial Ulysse 2. Ce dernier a été construit en 1973 et c'est l'un des premiers centres commerciaux régionaux de l'époque. 24 ans après sa première rénovation en 1998, un nouveau projet plus ambitieux viendra agrandir le centre commercial afin de l'ouvrir sur la ville et proposer un vrai pôle de loisirs. Ce projet comporte la restructuration d'une partie du centre existant pour créer une zone de restauration de 4100 m² environ, un nouveau complexe cinématographique d'envergure de 9 salles et environ 1400 places sur 3620 m², l'extension de la galerie commerciale Nord-Sud permettant de desservir les restaurants et le hall d'accueil du futur cinéma. Afin de permettre cette extension, la ville des Ulysses doit voter ce soir la cession d'une parcelle de terrain cadastrée qui fait aujourd'hui office de zone de stationnement du centre commercial. Un permis de construire a d'ores et déjà été accordé à la société Unibail Rodamco Westfield pour ce projet. Ce permis autorise également la réalisation d'aménagements extérieurs, tels que l'aménagement des parvis situés au nord et au sud du centre commercial, l'implantation des mobiliers urbains, la création de surfaces d'espaces verts, des cheminements qui prendront en compte les critères d'accessibilité des personnes à mobilité réduite, un nouveau dessin du parc de stationnement à l'ouest du cinéma et de la gare routière sans modifier le fonctionnement global du parking dont les entrées restent inchangées. Et enfin, l'aménagement de 30 places pour vélos. Un projet ambitieux dont l'achèvement est prévu à l'horizon 2024-2025 et pour lequel nous ne manquons pas de vous tenir informés. Un peu de culture maintenant avec le vote de la tarification des spectacles de la nouvelle saison culturelle 2022-2023. Le principal objectif de l'équipe municipale dans le domaine culturel est d'ouvrir la culture au plus grand nombre pour qu'elle soit accessible à tous. C'est dans cette optique que de nouvelles offres tarifaires vont être délibérées ce soir pour être intégrées à la nouvelle saison culturelle. Dès la saison prochaine, le simple fait d'habiter la ville permettra de bénéficier du tarif réduit en billetterie individuelle pour l'espace culturel Boris Vian, le Radazic et le cinéma Jacques Prévert. Autre nouveauté, la mise en place d'un tarif culture pour tous. Cette formule s'adresse à un public identifié, suivi dans des structures d'accompagnement. Elle leur permet de bénéficier d'un tarif de 6 € pour tous les spectacles de la saison culturelle Boris Vian et d'un tarif préférentiel de 2,50 € pour les films du cinéma Jacques Prévert. Enfin, deux nouvelles formules vous seront proposées, avec tout d'abord un pass découverte famille, réservé aux Uliciens, et qui fixe à 10 € la place de spectacle par adulte et 5 € par enfant pour un spectacle au choix. Le tarif jeune, quant à lui, évolue et permet d'accéder aux spectacles de catégorie A et B pour 10 € seulement. L'abonnement jeune passe à 30 € pour 4 spectacles. Avec tout cela, on espère que vous reprendrez bien un peu de culture. Puisque nous parlions jeunesse, connaissez-vous le dispositif emploi été? Chaque année, pendant la période estivale, la ville des Ulysses propose des emplois saisonniers afin de permettre la continuité de services publics pendant les périodes de vacances d'été et permettre à de jeunes étudiants de trouver un job d'été près de chez eux et d'acquérir par la même occasion une première expérience professionnelle. En tout, ce sont 72 postes qui s'ouvriront pour des périodes d'un mois dans différents secteurs de la mairie comme l'entretien, l'accueil, l'animation ou encore les maisons pour tous. Parlons jeunesse toujours avec cette fois-ci la reconduction du dispositif bonus post-bac. Si tu décroches ton baccalauréat cette année, ce message s'adresse à toi. La ville des Ulysses propose une prime de 100 € dans le cadre de la poursuite de tes études. Pour y prétendre, il faut que tu habites la ville, que tu puisses justifier de l'obtention de ton baccalauréat 2022 et de ton inscription à un cursus post-bac. Les dossiers sont à retirer à partir du 11 juillet à l'info jeune face à la mairie et à redéposer au même endroit avant le 10 novembre. Enfin, pour clôturer cet épisode du Petit CM, parlons chiffres avec le vote du budget supplémentaire. Le budget supplémentaire est un budget d'ajustement qui permet de rééquilibrer en cours d'année les prévisions du budget primitif afin de répondre aux besoins actuels de la collectivité. Par souci de lisibilité et conformément à la réglementation en vigueur, le budget supplémentaire adopte le même formalisme que le budget primitif, avec un équilibre entre les recettes et les dépenses. Le projet porté par la municipalité implique des réajustements à hauteur d'1 million d'euros, compte tenu des nombreux projets développés sur le territoire en application des objectifs municipaux 2022. Concrètement, nous pouvons citer les dépenses suivantes, comme la mise en place d'une restauration et de goûters plus qualitatifs pour les jeunes Uliciens et favoriser ainsi le bien grandir. Par ailleurs, ce budget supplémentaire intègre une nouvelle subvention à la Caisse des écoles afin de soutenir les actions menées en faveur des jeunes Uliciens et en particulier les plus fragiles. Autre dépense de ce budget supplémentaire, l'allocation de modulaires permettant des travaux de surélévation de l'école des Avelines, ou encore la mise en place d'un nouveau système d'essuie-mains dans les écoles visant à réduire l'impact écologique de ceux-ci en réduisant les consommables. Une nouvelle pierre à l'édifice d'une ville résiliente. Côté investissement, on peut noter les dépenses liées à la réalisation d'une aire de grand jeu en cours au parc urbain ou bien le financement de l'achat de parking de la Tour Alpha. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour ne pas en perdre une miette, ne manquez pas dans quelques instants maintenant le live du conseil municipal.
Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un nouvel épisode du Petit CM. À bientôt. Eh bien, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Je vais procéder à l'appel de ce conseil municipal. Je suis présent. Sarah Jobert. Présent. Coco Mensa. Présent. Nathalie Béant. Présent. Guénaëlle Levray. Présent. Emilia Ribeiro. Présent. Gabriel Lomone arrive un peu en retard. Du coup, il a donné pouvoir à Sarah Jobert. Et en attendant son arrivée, Awa Koulibaly. Présent. Shaban Chalal. Présent. Ager Mosni. Présent. Gilbert Piantoni. Rosemarie Boussamba, présent. Soulène Gaïdé, présent. Annick Lepoule, présent. Jalal Bourada, Delila Meni, présent. Lodovico Cassinari, présent. Latifa Nagy, présent. Étienne Charon, présent. Servan Charpentier, présent. Mehdi Idouam, présent. Olfaz Ridat, présent. Jean-Gaston Mounou, présent. Agnès Francard, présent. Monsieur Oulalit, absent à donner pouvoir à Madame Bourneuf, Monsieur Didin, absent également à donner pouvoir à Madame Baguidi, Madame Bourneuf-Emmanuel. Très bien. Madame Marthe Baguidi. Très bien. Monsieur Kevin Mérigot, qui a sorti un beau foulard rouge à sa belle chemise. Oui, c'est un foulard des amis de la commune. Ah. C'est pour souligner le fait que je suis très content pendant les deux dernières semaines de la réaction des grands bourgeois. Vous avez fait la montée au mur des fédérés, cher Kevin. Nous poursuivons l'appel et je suis sûr qu'une autre qui a été manifestée pour la Commune de Paris, Madame Françoise Marwenda, Monsieur Nicolas Gérard, Madame Myriam Haddad, Madame Nathalie Mondin, Monsieur Loïc Bayard, pas de pouvoir. À qui? D'accord, on va. Tu sais comment il l'a transmis? Par Fastélu? On va retrouver ça. Bon, moi, il m'a pas été transmis. Et Madame Michèle Descamps. Madame Béant. Et j'ai appris qu'on pouvait dire Bin aussi également. Et que vous aviez une préférence pour. Si vous pouvez mettre le micro, Madame Béant, pour le. Bin, ce sont mes origines écossaises. D'accord. Il y a très longtemps, ma famille s'appelait McBean. Et en passant la frontière, l'administration française a décidé de mettre un accent. Et du coup, c'est devenu béant. Pas mal. Donc, madame, chère Nathalie, vous étiez secrétaire de séance pour le conseil municipal du 16 mai 2022. Est-ce que vous aviez des remarques? Ok. Y a-t-il d'autres remarques? De fait, non. Je vous propose d'approuver ce procès verbal. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Grand merci. Vous avez eu communication des décisions que j'ai été amené à prendre dans le cadre de la délégation que le conseil municipal m'a accordée. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Cher François, si tu peux juste mettre le... J'ai pas mis le secrétaire de séance, bien vu. Le secrétaire de séance, je t'ai déjà mis la dernière fois. Ça aurait pu être bien. Du coup, je propose que ce soit Kevin Mérigot en l'honneur de son magnifique foulard rouge. Ce qui permettra à la commune de Paris de remporter un scrutin... Je l'espère. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Monsieur Mérigot, vous représenterez dignement la ville pour être en secrétaire de cette séance de juin. Merci Françoise pour le formalisme qui m'a un peu échappé. Je disais donc que vous aviez des questions sur les décisions que j'étais amené à prendre? Non, pas spécialement. On poursuit donc. Nous avons... un point d'information CPS qui va être très court, Lodo, puisque le conseil communautaire n'a pas encore eu lieu. Effectivement, le conseil communautaire aura lieu la semaine prochaine. Néanmoins, on peut parler de trois points que j'ai relevés sur l'actualité récente de la CPS. Le premier point, c'est les discussions qui se poursuivent au sein notamment du bureau communautaire par rapport à l'eau et à la constitution en cours d'un syndicat fermé pour la gestion du réseau du sud francilien. Donc
pour que la CPS soit associée selon des modalités qui, si j'ai bien compris, restent encore à définir à la constitution dès le début de ce syndicat. Le premier point. Le second point, le rapport d'activité qui a été présenté à la conférence des maires et qui sera soumis au Conseil communautaire la semaine prochaine. Donc ce rapport d'activité pour l'année 2021. Le troisième point que j'ai relevé, c'est le bilan à mi-parcours du PCAET, le plan de climat, air, énergie du territoire. Et enfin, un dernier point que je voulais soulever, c'est la réunion sur le PPA de Courtabœuf, le PPA, projet partenarial d'aménagement de Courtabœuf, qui est dans une phase un petit peu de construction, enfin, qui avait du bon monde avec le projet, etc., avec cinq axes qui sont interdépendants. Le volet réglementaire, avec l'OAP qui est en cours de constitution, le volet infrastructure et mobilité, le volet foncier, le volet d'animation, attractivité, visibilité, qui inclut la signalétique, et le volet transition écologique. Voilà, c'est les points que j'ai d'actualité de la CPS que j'ai relevé parce qu'il semblait concerner notre commune en particulier. À noter d'ailleurs que dans la partie infrastructure mobilité, on a réinsisté sur la nécessité vitale de finir la voie dédiée sur l'A10 pour les bus qui nous permettent notamment aux Ulysses de rejoindre la gare routière de Massy actuellement en travaux et encore pour plusieurs dizaines de mois. On parle de encore 22 mois quasiment, même un peu plus si on en suit la logique des travaux. Là-dessus, on a une certitude, c'est que c'est extrêmement important pour nous de continuer à travailler pour la viabilité des transports en commun et donc d'avoir enfin un accompagnement du département et de l'État sur une voie dédiée complète sur la 10 et pas partielle comme elle est déjà aujourd'hui. En tout cas, merci pour ces retours d'information. Je fais deux infos qui ne sont pas en lien forcément avec la CPS. Il y en a une qui me tient à cœur, parce que vous voyez avec les premières courgettes de l'année... Chers amis, puisque nous avons une AMAP aux Ulysses qui... oui, merci Sarah qui me dit que ceci est un concombre. Merci Sarah, qui sait à quel point ma connaissance des légumes est faible. Et donc, merci Sarah, même si je m'améliore. Ce sont des légumes qui poussent à Marcoussier dans le cadre de l'AMAP. L'AMAP aujourd'hui cherche des adhérents. Donc grosso modo, c'est vous avez toutes les semaines ou alors toutes les deux semaines, si vous prenez la formule en association avec quelqu'un d'autre, un panier de légumes tout au long de l'année qui vous est distribué à la Maison pour tous des cours dimanche le jeudi soir. Il y a encore possibilité d'adhérer. N'hésitez pas, contact ulysse.amap@gmail.com. Les contrats démarrent en septembre et à partir de septembre, vous pourrez, si vous ne l'avez pas encore déjà cet abonnement, avoir des bons produits qui sont locaux. Il y a une autre AMAP qui existe également et dont les produits sont, je crois, issus aussi de Marcoussis, mais je ne suis pas sûr. Et celle-ci distribue les paniers à la Maison pour tous des Amonts. Prenez les renseignements de Maison pour tous. C'est les potagers de Marcoussis, c'est pas la map. Ouais, c'est les potagers de Marcoussis, c'est pas une map directement. En tout cas, important. La concurrence, mais l'insertion, c'est pas la même chose. Là, on a un agriculteur. Je fais un point d'information puisque nous ne sommes pas vus depuis sur les résultats de l'élection législative sur la 5e circonscription avec l'élection d'un nouveau député. À 15 voix près, M. Paul Midi a remporté le scrutin sur la circonscription qui regroupe les villes de Verrières, de Bièvre, de Saclay, de Voiland, de Villiers-le-Bâcle, de Saint-Aubin, de Gif-sur-Yvette, de Bure-sur-Yvette, d'Orcéville et donc des Ulysses. Cette circonscription s'est jouée à 15 voix. Vous dire l'importance du vote, puisque j'insiste également sur le peu de votants que nous avons eu aux Ulysses une fois de plus, que plus de 58% des personnes inscrites ne sont pas allées voter. Aux Ulysses, en revanche, le résultat est tout autre, puisqu'évidemment, il représente la sociologie électorale de notre ville, avec un résultat à peu près à hauteur de 29,5% pour Paul Midi et 70,5% pour le candidat de la NUPES, Cédric Villani. Voilà les résultats qui sont disponibles toujours sur le site de la ville, mais également sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller vous renseigner là-dessus. Et puis un dernier point d'information avant de lancer l'ordre du jour assez épais de ce soir. Avec certains élus, dont M. Cassinari, M. Bourada, M. Ngaïdé, et je crois que je n'en oublie pas, même si beaucoup d'autres auraient voulu être là, mais pour raisons professionnelles, ils pouvaient être là. Et M. Mérigot, qui est arrivé en retard, n'est-ce pas ? Nous sommes allés en sous-préfecture de l'Essonne pour manifester aux côtés d'un collectif d'associations et de syndicats
pour réclamer des conditions d'accueil dignes. Je le dis d'abord pour celles et ceux qui ont la nationalité française. On constate de gros retards sur l'obtention des cartes d'identité et de passeports, période estivale oblige, mais du fait aussi d'un manque d'effectifs sans doute criant des services de la préfecture. Par contre, pour les personnes qui n'ont pas la nationalité française et donc qui résident légalement sur le territoire français, les galères sont énormes et il y a des gens qui se mettent dans des situations administratives catastrophiques, c'est-à-dire qu'ils perdent leur boulot, alors qu'ils veulent totalement rester dans les règles. Monsieur Ngaïdé, peut-être vous voulez en dire un mot rapide. Oui, en fait, nous sommes effectivement partis soutenir le collectif Exilé 91, qui est composé d'une trentaine d'associations. Et on est surtout parti soutenir les étrangères et les étrangers de notre ville qui éprouvent de nombreuses difficultés pour obtenir un rendez-vous, pour renouveler leur titre de séjour, pour avoir un rendez-vous de naturalisation. Et l'idée de cette... Vous vous souvenez sans doute qu'on avait, il y a un an et demi, voté ici à l'unanimité une motion par rapport à cela. On est parti avec quelques élus pour réitérer notre solidarité aux étrangères et aux étrangers de la ville qui éprouvent effectivement de nombreuses difficultés pour accéder à un guichet de la préfecture. Il y a un an et demi, on en a parlé, on a fait une motion, mais les conditions sont devenues de plus en plus déplorables. Donc, comme les conditions sont de plus en plus déplorables, on a jugé utile qu'il fallait, une fois de plus, aller dans ces manifestations pour soutenir ces personnes. Il se trouve aussi que nous sommes dans une période particulièrement importante pour les étrangers. Il y aura bientôt les vacances d'été et beaucoup d'étrangers, parce qu'ils ne pourront peut-être pas renouveler leur titre de séjour ou parce qu'ils ne pourront pas avoir de documents de circulation pour étrangers mineurs, ne pourront pas, pourraient se voir refuser, en fait, pourraient ne pas aller dans leur pays d'origine pour pouvoir embrasser qui une tante, qui une grand-mère, qui un oncle. Et c'est aussi compliqué. Donc c'était pour toutes ces raisons que, avec quelques élus, nous sommes partis pour vraiment réaffirmer notre solidarité aux Ulyssiennes étrangères et aux Ulyssiens étrangers. Pour leur dire aussi qu'on est à côté d'eux et qu'on fera ce qu'il faut, qu'on fera ce que nous pourrons pour faire de sorte que les conditions d'accueil en préfecture change. Merci. Merci, Soulé. Je note le départ de M. Chalal qui me donne pouvoir. Pas de souci. J'insiste pas là-dessus, mais effectivement, juste pour vous dire un élément qui parlera de lui-même. Avant, il n'y avait pas de rendez-vous en ligne ou de choses comme ça, et les gens arrivaient souvent à 1h du matin, dormaient sur place et espéraient pouvoir être reçus le lendemain. Aujourd'hui, certains regrettent ce mode de fonctionnement. En fait, c'est la dématérialisation qui a tout chamboulé. Tout changé. Voilà. J'ai appris même qu'il y avait des reventes au marché noir de tickets de rendez-vous. Oui. Sur le Darknet, merci Mme Koulibaly. Oui. Bon, enfin, en tout cas, on réaffirme notre solidarité à l'égard de toutes celles et ceux qui subissent ces problématiques. On a insisté auprès du sous-préfet à chaque fois sur la nécessité d'avoir une organisation à la hauteur. Si on veut bien, si on veut que les gens restent en règle dans ce pays, il va falloir effectivement qu'on y mette les moyens. Parce que là, il s'agit juste d'une question de moyens, pas forcément que de volonté. On commence l'ordre du jour. Petite inversion avec évidemment le vote du compte de gestion avant le vote du compte administratif. Du coup, Monsieur Piantoni, vous nous faites l'honneur de présenter le compte de gestion. Oui, cher Mérem. Merci, Clovis. Je voulais juste intervenir avant qu'on rentre dans le vif du sujet pour avoir une pensée émue pour un de nos anciens collègues, Pierre Picpaille, qui nous a quittés. Ancien collègue, puisqu'il a été élu avec quelques-uns d'entre nous comme conseiller municipal délégué, de ce que je me souviens, à la démocratie locale, et aussi par ses qualités de militant associatif. Donc je suis extrêmement peinée parce que j'ai beaucoup appris auprès de lui. Et je voulais juste qu'on ait une pensée. Merci.
Merci, Myriam, de cette délicate attention. La ville lui rendra hommage comme il se doit, parce qu'on a été tous très peinés d'apprendre son décès. C'était quelqu'un, d'ailleurs, au lendemain des élections, qui nous envoyait toujours un fichier associatif et citoyen, le résultat des élections avec son analyse pertinente. Et c'était un des fondateurs du Phare, qui a fêté ses 25 ans. Mais également, il a le petit tambour citoyen que j'ai grand plaisir à lire. Merci de ce rappel, Myriam. Je suspends la séance comme il est tradition avant d'ouvrir l'ordre du jour s'il y a des questions dans le public en début, ce qui vous permet de ne pas attendre forcément la lecture des 33 points, même si je suis sûr que vous allez apprécier. Merci beaucoup. Du coup, je reprends la séance et je laisse la parole à M. Piantoni pour... C'est bien le compte de gestion là-bas. Le compte de gestion en premier, mon cher Gilbert. Bien. Oui, alors comme je l'ai souvent répété, donc le maire n'a pas de carnet de chèques et la comptabilité fiduciaire donc est tenue par le trésorier de la ville des Ulysses. Alors la ville des Ulysses donc ordonne les dépenses, les recettes et le comptable public les exécute. Et à la fin de l'année, donc les comptes de gestion tenus par le receveur, c'est-à-dire la comptabilité publique, l'État. C'est sa comptabilité, la ville a sa comptabilité et en fin d'année, donc on rapproche les deux et les deux doivent avoir les mêmes chiffres, les mêmes résultats, etc. Si ça ne va pas, eh bien on recherche le pourquoi des choses. Alors quelquefois, ce ne sont pas des incidences financières parce que la comptabilité, je dirais, c'est de l'argent et l'argent, ça ne se crée pas, ça ne se détruit pas à notre niveau. Donc, ces comptes tenus par le receveur, quelquefois nous avons des écarts, nous avons eu déjà en discuté avec des problèmes d'amortissement, des problèmes d'imputation, on met sur tel compte ou tel autre compte, etc. Mais en final, donc, on arrive donc au même résultat. Alors, le compte administratif est présenté par le receveur et dans la mesure où il est donc équivalent ou du moins 100% à celui de la ville, il est voté. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres ce soir parce que je crois que ça ne présente pas d'intérêt, surtout que vous l'aurez sur le site de la ville. Simplement pour vous dire donc que ce compte de gestion du receveur qui a les mêmes sommes nous fait ressortir donc un résultat global pour l'année 2021 de 7,9 millions et un résultat cumulé avec les années précédentes de 13 062 000 en excédent. Donc là, j'en parlerai plus longuement au niveau du compte administratif pour vous montrer donc l'intérêt de ces chiffres, notamment qui montrent une épargne très excellente pour la ville des Ulysses. Alors, ce qui est demandé au conseil municipal, il constate la conformité des écritures du compte administratif et du compte de gestion 2021 du budget de la ville des Ulysses. Il déclare que le compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2021 par Madame le receveur municipal n'appelle ni observation ni réserve de la part du conseil municipal. C'est-à-dire, donc, on constate que le compte administratif et le compte de gestion du receveur est conforme à notre compte administratif qui retrace donc les dépenses et les recettes de l'année 2021. Merci Gilbert. Nous avons donc la lourde tâche de constater qu'il y a une conformité des écritures entre le CA et le CG et déclarer que le compte de gestion du budget principal dressé pour cet exercice n'appelle ni observation ni réserve de la part du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur ce compte de gestion? Je n'en vois pas. Je soumets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Madame Mondin? Non? Ok. Eh bien, adopté à l'unanimité pour le compte de gestion. Je vous en remercie. Pour la deuxième, puisque c'est le compte administratif, vous le savez, ce n'est plus moi qui vais donc présider la séance pour le temps de ces délibérations. Je vous propose la candidature de Madame Jaubert comme présidente de séance. Est-ce qu'il y a des demandes de vote? Non, Madame Jaubert, je vous laisse donc poursuivre l'ordre du jour et Monsieur Piantoni va faire une présentation. Je ne m'absente que pour le vote, merci. Bien sûr, oui. Je ne vais pas louper un traître au mot de ce que tu dis.
Bien. Donc maintenant, je suis rassuré. J'ai le maire à mon écoute. Donc, pour retracer un peu nos opérations régulièrement, donc le conseil municipal est saisi d'affaires financières. La première opération donc, consiste d'une part, bon, le programme municipal bien sûr, mais annuellement, donc, il y a le vote du budget qui est précédé d'une délibération d'orientation budgétaire. Donc au départ, on discute un peu du budget des grandes lignes. Deuxièmement, on vote un budget. Nous le votons donc régulièrement avant le 31 décembre, c'est-à-dire nous n'exécutons ni dépenses ni recettes de l'année avant d'en avoir décidé en conseil municipal, ce qui est une règle de gestion qui est, à mon sens, excellente, puisqu'elle est celle de l'Assemblée nationale qui vote le budget avant le 31 décembre. Donc, nous votons le budget et en cours d'année, donc, nous avons les résultats de l'exercice précédent, c'est-à-dire au cours de l'année 2021, nous avons eu des dépenses et des recettes, et ces dépenses et ces recettes sont enregistrées dans notre comptabilité. Et donc, comme nous voulons de le voir tout de suite, donc elles sont conformes à celles enregistrées par l'État. Alors, ce compte administratif 2021 présente un solde excédentaire et nous avons donc une épargne qui est très abondante, je dirais presque surabondante. Mais ceci, donc, est un, alors, au niveau de la ville des Ulysses, régulièrement, nous avons des comptes administratifs qui sont excédentaires, c'est-à-dire au-delà de nos prévisions budgétaires. Alors, de tradition, mais là, cette année, donc, nous avons encore plus d'épargne. Alors, ce qui veut dire que c'est une bonne chose pour nous. Pourquoi? Lorsqu'une commune arrive à ne plus dégager d'épargne suffisante ou plus d'épargne du tout, c'est-à-dire, alors ses comptes sont équilibrés, bien sûr, mais n'a plus d'épargne, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus réaliser de grands projets puisque elle n'a pas d'épargne, donc elle ne peut plus réaliser de grands projets et elle tourne sur elle-même. Bon, on voit beaucoup de villes comme ça, et nous, l'avantage qu'on a aux Ulysses, c'est qu'avec une épargne forte, nous sommes en capacité d'investir dans des équipements lourds, dans de gros équipements, de la rénovation urbaine. Enfin, nous avons toutes les perspectives qui sont déjà initiés dans notre programme municipal qui pourront se réaliser. Pourquoi? Parce que nous avons une épargne conséquente. Par exemple, si je prends un particulier va pouvoir renouveler, mais lorsqu'il s'agira, par exemple, d'acheter une voiture, un appartement, je ne sais pas quoi, il va être obligé de mettre une mise de départ, il ne va pas tout acheter à crédit. Bon, si je prends cette règle de mon père de famille, nous sommes vraiment dans ce cas. Et d'autre part, au niveau de l'investissement aussi, nous avons beaucoup de choses qui sont en investissement qui, en réalité, sur le plan économique global, ne représentent pas tout à fait un investissement, c'est-à-dire un ajout de patrimoine. Par exemple, lorsqu'on refait des peintures, qu'on rénove une école, qu'on refait des toitures, etc., qu'on achète des véhicules, c'est certes de l'investissement, mais tous les ans, nous avons un volume. Par exemple, en dépenses informatiques, en dépenses de travaux de voirie, etc., nous avons un volume suffisant qui, en fait, n'est pas une augmentation de patrimoine. Donc là, nous avons la possibilité, puisque nous avons une épargne conséquente, à réaliser de grands équipements, bon, comme on peut penser au centre de loisirs sans hébergement, on peut penser à la rénovation de quartier, parce que ça coûte, et que soit on a la grande rénovation de quartier, donc de Courdimanche, bien sûr, enfin ou de la Parisienne, de Champagne-le-Port, des boutiques. Donc là, on a un énorme chantier qui s'ouvrira sur plusieurs années, peut-être sur plus d'un mandat. Bon, on a vu pour le centre-ville, on a vu pour les amants. Donc ce sont des dossiers très lourds et sur lesquels il faut avoir les reins solides au départ. Là. D'autre part, là, je tiens aussi à remercier les services et surtout les élus qui ont initié pour leur sagesse. C'est-à-dire, je dis, on n'a pas, étant donné qu'on avait des capacités financières, on aurait pu dire, eh bien, on lance des tas d'opérations consommatrices de crédit, et puis après, on a mangé l'épargne et on ne peut plus rien faire. Donc, cette sagesse des élus est aussi apporté à leur actif, bien que quelquefois ça fait grincer un peu des dents, mais je crois que c'est-à-dire, bon, certains diront, ils n'ont pas brûlé la caisse, hein, parce que c'est une expression que j'ai entendue
Donc, nous n'avons pas brûlé la caisse. Donc, nous sommes des sages et nous pourrons donc investir pour l'avenir. Alors, ceci étant, je vais vous donner quand même quelques chiffres. Nous avons donc en dépenses de fonctionnement un budget, notre budget est de l'ordre de 40 millions de dépenses. Hein. Donc nous avions 46 millions de recettes et donc ce qui nous fait un excédent de clôture de l'ordre, avec l'investissement de l'ordre de 11 millions. Alors vous verrez tous ces chiffres-là qui sont à comparer, etc., dans les différentes rubriques, mais pour vous dire globalement, nous avons, compte tenu aussi que nous reprenons, nous avons sur cet exercice, sur la clôture, les résultats de l'exercice 2020. Donc en finale, ce qui vous sera proposé, ce sera donc une épargne de l'ordre de 11, enfin, même plus exactement 11 millions 6. Donc évidemment, c'est une épargne conséquente. Mais si vous voyez le prix d'un grand une rénovation urbaine, on en arrive à des 10, 20 millions, etc. Je n'ai pas le bilan en tête de la participation centre-ville, mais simplement, parce qu'en même temps, lorsque vous faites une grosse rénovation urbaine, ben, vous faites des équipements publics. Hein, donc, par exemple, la place du marché, je ne sais pas, enfin, tout ce qui a été accompagné le centre-ville et des équipements très importants, publics très importants. Et là aussi, le coût est important. Donc, le prêt financé est une très, très bonne chose. Surtout qu'on ne pourrait pas supporter des dépenses aussi importantes. Et surtout que les perspectives aussi financières des communes, bon, ne sont pas, pour l'instant, du moins d'après ce qui s'annonce, florissantes. Et surtout que l'inflation aussi, bon, on le verra au niveau du BS, mais l'inflation s'installe. Et là aussi, nous aurons des difficultés à avoir des recettes qui corrèlent les dépenses à venir. Voilà, pour ma part, c'est tout ce que j'avais à dire sur le compte administratif. Donc, je ne vais pas vous abonder de chiffres, mais sachez qu'il y a une épargne qui est très, très confortable et qui nous permettra pour l'avenir de voir de grands projets pour l'intérêt, bien sûr, de toute la ville et notamment les rénovations urbaines, j'ai dit. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? On va laisser Monsieur le maire. Et n'écoutez pas aux portes. Hein. On note que Monsieur le maire est sorti de la salle. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc on note Madame Marwanda, Monsieur Gérard, avec les... Avec pouvoir, Madame Haddad, Madame Mondin et Madame Deschamps. Oui, avec les pouvoirs. Merci. Merci beaucoup. Gilbert, affectation de résultat. Oui, alors l'affectation du résultat est une mécanique, je dirais, qui consiste donc à affecter le résultat pour le budget supplémentaire. Alors je vais vous lire donc le résultat. Approuve l'affectation du résultat 2021 du budget principal de la manière suivante. En recettes, compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé pour un montant de 2 190 325,37 €. En recettes de fonctionnement au compte 002, excédent de fonctionnement reporté pour un montant de 11 601,034.
et en dépenses d'investissement au compte 01 déficit d'investissement reporté pour un montant de 728 476,06. Donc c'est le résultat simplement du vote du compte administratif où le résultat donc sera reporté sur le budget supplémentaire de l'année donc 2022. Délibération suivante, vous divulguez la suite, Monsieur Piantoni. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur cette affectation de résultats ? Bien, je soumets donc aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Madame Marwenda, Monsieur Gérard, Madame Haddad, avec le pouvoir de Monsieur Bayard s'il était retrouvé, Madame Mondin et Madame Descamps. Super. Impeccable, tout va bien, merci beaucoup. Et donc le reste est OK. On poursuit avec le budget supplémentaire, du coup, mon cher Gilbert. Bien, donc là, je vais vous la faire courte aussi, du moins au minimum. Donc, le budget supplémentaire est un budget, je dirais, de prise en compte des résultats de l'exercice passé, c'est ce qu'on vient de voir, et puis aussi de virement de crédit, de modifications en cours d'année. Alors, au départ, donc, nous avons voté donc, fin décembre 2021 le budget 2022. Ce budget 2022 est un document, bien sûr, prévisionnel. Et en cours d'année, en même temps que nous affectons les résultats, nous avons la possibilité d'ajuster ces prévisions de manière à les avoir un peu plus fines en cours d'année. Et nous faisons ce budget, évidemment, donc, au mois de fin juin. Donc, pour moi aussi, c'est une très bonne décision de voter le budget supplémentaire fin juin, puisque ce sont les prévisions pour les 6 mois à venir qui sont ajustées. C'est-à-dire, on ne fait pas ici de budget qui constate ce qu'on a fait, mais simplement ce qu'on va faire dans les 6 mois à venir. Alors, ce budget supplémentaire est un budget, je dirais encore, je remercie aussi les élus pour la sagesse qu'ils ont eue, bien que les directives étaient de ne pas générer spécialement de dépenses nouvelles, mais simplement de rééquilibrer à l'intérieur des secteurs les crédits qui avaient été mis au budget primitif. Donc ce budget supplémentaire nous montre quand même quelques évolutions. Alors là, vous avez un document, mais je vais vous en citer un petit peu plus ou différemment. Nous avons un budget supplémentaire qui est de l'ordre de 1,5 million, mais vous les retrouverez dans les chiffres, 1,5 million à peu près d'ajustements en plus, en moins. Alors pourquoi nous avons ces ajustements-là ? Certains tiennent à des dépenses. Alors nous avons installé aussi un poste de dépenses imprévues. Ce poste de dépenses imprévues, on en ressent quand même l'utilité. Pourquoi ? Eh bien, simplement, nous avons des tas de dépenses que nous inscrivons éventuellement au budget primitif. Et puis, ces dépenses, elles ont lieu, elles n'ont pas lieu, etc. Et tout ça cumulé fait que nous développons une politique d'excédent. Si nous avons un poste de dépenses imprévu, ce poste imprévu va tamponner, je dirais, un peu toutes ces choses qui n'étaient pas prévues et d'une manière très précise. Donc, les dépenses imprévues, nous avons mis des dépenses imprévues, par exemple, pour 300 000 euros. D'autre part, nous avons aussi des dépenses qui sont augmentées, c'est-à-dire peut-être, alors nos prévisions étaient pessimistes ou optimistes, je ne sais pas, mais nous avons des prévisions, par exemple, en matière de fluide, nous avons été très optimistes et nous avons donc dû réviser les prévisions. Et aussi, il y a eu le problème du coût des fluides qui a augmenté. Peut-être aussi qu'on était optimiste sur nos économies possibles. Voilà. Donc, nous avons aussi des postes comme au niveau du périscolaire. Nous avons les goûters, par exemple, qui sont... Alors là, moi, j'ai un conseil d'école où vraiment c'est apprécié de la part des parents. Autant on avait eu des critiques un peu de menus. Autant là, les goûters, au niveau des parents d'élèves, hein, je ne parle pas de ceux qui ont en charge de faire la distribution, mais vraiment, c'est un point très apprécié, et ce bien manger, bien grandir, on sent quand même que c'est ressenti, du moins au niveau des parents d'élèves, là où je suis dans les conseils d'école, c'est vraiment une très, très bonne chose. Donc là aussi, tout ça a un coût, mais je dirais, globalement, ce budget supplémentaire ne nous pose pas de problème, n'a pas posé de problème.
au niveau de sa présentation. Et on n'a pas eu, je dirais, de coupe sombre à faire, puisque, je dirais, les demandes étaient largement satisfaites et correspondaient à l'intérêt collectif de conserver donc une épargne importante. Voilà, donc, alors je peux vous donner ce qui est la proposition. La proposition approuve le budget supplémentaire 2022 du budget principal, tel qu'en section de fonctionnement, dépenses 11 449 034, même chose en recettes, et en section d'investissement, 17 530 596, donc même chose en recettes. Bien sûr, un budget est toujours présenté en équilibre. Approuve la répartition des crédits par chapitre, tel qu'elle figure dans le document budgétaire. Accorde une subvention supplémentaire à la Caisse des écoles pour le bon déroulement de ses activités, etc. Constitue une provision pour risques et charges afin de pallier. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'une manière globale, hein, parce que sans rentrer dans le détail. Merci Gilbert, c'était complet. Sur le budget supplémentaire et ce qu'il porte comme ambition, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des observations ? Écoutez, je n'en vois pas. Aussi, je soumets aux voix, nous n'avons qu'à approuver ce budget supplémentaire et la répartition de crédit et la subvention exceptionnelle supplémentaire à la Caisse des écoles. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Madame Marwenda, Monsieur Gérard, Madame Haddad et Monsieur Bayard, Madame Mondin et Madame Descamps. Et donc, adopté à la majorité des voix exprimées. Merci beaucoup. On change dans la délibération suivante de référentiel comptable. C'est une petite révolution dans la comptabilité publique, Monsieur Piantoni. Oui et non. Enfin, j'ai vu mon grand âge, j'ai déjà connu beaucoup de réformes de la comptabilité publique, je crois, depuis la M12, etc. Donc, oui, c'est une nouvelle réforme, mais qui se veut plus universelle encore que les précédentes. C'est-à-dire, en matière comptable publique, c'est-à-dire on a une obligation comptable de ranger les opérations de dépenses et de recettes dans des comptes de plus en plus précis. Et ce qui convient, donc, mais comme en comptabilité privée, hein, je dirais, toutes les comptabilités ont besoin d'homogénéité. Alors, ce qui permet d'une part de ne pas chacun avoir sa petite popote quand même, et de permettre aussi à la Chambre régionale des comptes, etc., de dire si j'ai des frais de telle nature, ils seront dans tel compte, etc., donc permettre une vérification, mais surtout permettre une lecture à tous les conseils municipaux, les habitants, etc. S'ils veulent rechercher les dépenses même de chauffage, ben, ils seront sous tel numéro, dans tel compte, etc. Donc cette normalisation va un peu plus loin, là encore, de manière à permettre à l'ensemble des établissements publics, etc., que ce soit des régions, des départements, des communautés d'agglomération, etc., d'avoir le même plan comptable. Et lorsqu'il s'agit d'agréger, on peut agréger tout, absolument tout. Et donc, ça permet des comparaisons, ça permet une lecture simple. Et donc, nous avons prévu donc de rejoindre en 2023 pour être opérationnel dans le temps. Alors, on avait connu déjà des évolutions, mais ça, vous le verrez dans le document, notamment pour une comptabilité plus lisible. Par exemple, on avait les APCP, tout ça, donc un projet, s'étale généralement sur plusieurs années. Donc, là aussi, on a des méthodes comptables. On a aussi les opérations, je dirais, hors bilan, comme on les a dans la comptabilité privée. Donc, tout ça permet d'avoir une lecture, et puis en plus, j'ai des tonnes d'annexes. Donc, tout ça, ça nous permet d'avoir une bonne lecture des comptes publics. Voilà. Donc, pour vous dire, et puis aussi, il y a eu de la souplesse, etc., au niveau des virements de crédit. Par exemple, on peut, à l'intérieur du même chapitre, faire un peu ce qu'on veut. Enfin, c'est pas ce qu'on veut, mais on peut travailler sans revenir, sans arrêt, devant le conseil municipal, etc., et ça donne donc une lecture beaucoup mieux et une possibilité donc de vérification. Mais surtout, je crois, enfin à mon avis, c'est de pouvoir agréger et de pouvoir travailler les comptes
avec un esprit donc de bonne lecture. Par exemple, avant, on n'avait pas les amortissements, on n'amortissait pas les équipements publics. Maintenant, on pratique l'amortissement. Donc, ça donne aussi une obligation de réserver. Par exemple, si vous achetez un ordinateur, vous allez être obligé de l'amortir. Alors que, c'est vrai, parce qu'au bout de 2, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas, ça dépend. Donc, l'ordinateur est obsolète, il faut le remplacer par un autre. Et là, avec l'obligation d'amortissement, ça vous oblige eh bien, à avoir de côté une épargne obligatoire pour renouveler votre matériel. Donc, tout ça, ça s'inscrit, à mon sens, dans une bonne logique, de bonne gestion et de clarté pour tout le monde. C'est tout. Si je ne suis pas sûr que l'M57 sera plus lisible que l'M14 pour le commun des mortels, comme dirait l'autre, on a même beaucoup de mal à toujours... Alors, je ne vous lirai pas l'ensemble du adopt, etc., dit, etc. Je pense que chacun fait la lecture et on va pouvoir... À savoir d'ailleurs que notre syndicat qui gère le cimetière de l'Orme à Moineau a été territoire pilote pour la mise en place du M57. J'ai pu voir ça s'appliquer, n'est-ce pas, Mme Ribeiro, lors du dernier vote du compte administratif et de gestion. Voilà. Oui, tout à fait. Je vois que vous froncez les sourcils, les misères. C'était moi. C'était toi, oui. Et non, Emilia n'était pas là, mais elle le sait. Pas de remarques, je suppose. Ah, non, bah si. Remarques, non, pas de remarques, bien sûr. Question, par contre, est-ce que vous avez prévu une formation pour les élus? C'est une excellente idée. Pour l'ensemble du conseil municipal, ça pourrait être intéressant, du coup, de vous inclure également dans la même type de formation. Je pense que c'est nécessaire, mais je me tourne derrière l'administration qui murmure mon prénom. Non? D'accord, donc il disait juste une excellente idée, comme quoi. Donc on fera une formation effectivement sur le sujet pour la lecture. Du coup, il faut quand même voter, parce qu'on doit approuver tout un tas de choses, et en particulier la mise en place de cette nomenclature budgétaire à partir du 1er janvier 2023. On conserve le vote par nature et par chapitre, etc., etc. On a des aménagements. Si vous m'y autorisez par ce vote, qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. J'ai cru que M. Charon votait contre parce qu'il a levé la main pour s'étirer à ce moment-là. Le show Piantoni se poursuit avec l'actualisation de la taxe locale sur la publicité extérieure, mon cher Gilbert. Bien. Donc la taxe locale sur la publicité extérieure avait eu pour but, au niveau de la législation, d'assainir un peu les publicités qui devenaient démesurées, notamment aux entrées de ville, etc. Et comme une des techniques d'interdiction, il est interdit d'interdire, donc simplement on fait payer. Et c'est une méthode, quoi. C'est une méthode, faire payer. Et on est libre. Voilà. Donc, cette taxe sur la publicité extérieure, nous avons la possibilité simplement de réviser le tarif cette année. Et il vous est proposé de réviser le tarif dans les conditions légales, c'est-à-dire une augmentation de 2,8% de cette taxe. Mais étant précisé aussi que c'est une taxe, même si ce sont des recettes de poche, nous allons travailler cette taxe, et notamment au niveau des bases d'imposition, donc faire un peu un travail de contrôle sur cette petite taxe, mais les recettes de poche ont aussi leur importance. Tout dépend de la taille de la poche. Merci beaucoup, cher Gilbert. J'ai oublié de noter l'arrivée au procès-verbal de M. Lomone, qui nous a rejoint, et donc à qui je peux redonner le pouvoir que Mme Jobert avait précieusement gardé jusqu'alors. Des questions sur cette délibération? Paf, je m'en doutais que non. Qui nous passionne, évidemment. Des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Je prends la parole pour le plus grand plaisir de Mme Marwenda. C'est à mon tour de parler. Un avenant relatif au contrat d'assurance statutaire. Logique pour la ville. Nous avons un contrat d'assurance comme n'importe quel organisme. Il y a des dispositions réglementaires qui nous obligent à faire un petit réajustement. Donc on doit adapter notre contrat aux évolutions réglementaires et évidemment m'autoriser à signer cet avenant. En disant qu'il prend effet au 1er janvier 2022, je me tourne vers les RH, c'est une erreur d'écriture ou c'est bien au 1er janvier 2022 ?
Madame Kedimala. Notre directrice des ressources humaines. Le contrat d'assurance, là, l'avenant, il signe, il prend effet au 1er janvier 2023 ou 2022 ? 2022, donc effectivement, on prend... C'est rétroactif, c'est bien ce qu'il y a noté. Oui, mais c'est, excusez-moi, il m'arrive de faire des erreurs. Comme ça, je vois que vous suivez, c'est très bien. Et puis en plus, ça me permet de saluer notre directrice des ressources humaines, c'est quand même sympa. Et du coup, je vous propose donc d'adapter notre contrat et de m'autoriser à signer l'avenant. Est-ce qu'il y a des questions, des observations ? Ah bah oui, monsieur Charon, j'aurais été étonné. Tous les contrats d'assurance pour toutes les associations et tout le personnel ont été modifiés au 1er janvier 2022. Yes. C'est lié à la crise sanitaire où il y a un nouvel avenant Covid. Entre autres. Dans les nouveaux contrats d'assurance. Oui, alors il y a tout à fait. Très bien. Pas d'autres questions ? Des votes contre ? Mais messieurs, dames, sur ma gauche, pas de vote contre, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Ok. Madame Meigny, on parle emploi-été ? Bonsoir. Alors, il s'agit de la délibération dispositif emploi-été. Comme vous le savez, et comme chaque année, durant la période estivale, en fait, la ville des Ulysses, du coup, au niveau de ses services, sont confrontés à un surcroît d'activité, du coup, dû aux augmentations, en fait, pendant cette période, au sein, en fait, des équipements municipaux. Du coup, sur aussi les travaux d'entretien et la remise en état des structures. Donc concrètement, cela se traduit par un nécessaire renforcement des équipes de restauration et d'entretien, des équipes techniques afin de réaliser les déménagements ou travaux d'entretien des bâtiments communaux, comme par exemple la peinture de barrières et murs, aide aux travaux sur la voirie. Les services administratifs sont également sollicités durant cette période estivale afin de répondre, renseigner les usagers ou assurer des tâches de gestion administrative comme le tri, le classement, l'archivage notamment. Donc afin de répondre et faire face à ce surcroît d'activité estivale, la commune recrute des étudiants majeurs. Cette expérience professionnelle permet effectivement de découvrir donc le monde du travail, d'acquérir une première expérience professionnelle et aussi du coup d'obtenir un financement pour leurs études ou éventuellement leurs projets personnels. Ces emplois, donc pour précision, relèvent exclusivement de la catégorie C. Les candidats seront rémunérés sur la base de l'indice brut 382 et seront affectés au sein des services comme suit. Donc pour le mois de juillet, alors je ne vais pas vous relister effectivement du coup la totalité des services parce que c'est indiqué. Vous avez également aussi le poste qui est concerné et du coup le nombre de postes. Donc ce qu'il est demandé ce soir au conseil municipal, c'est de bien vouloir du coup autoriser et créer 72 postes à temps plein d'emplois saisonniers répartis sur les différents services de la collectivité, donc sur le mois de juillet et août 2022. À compter du 8 juillet, du coup, en mois de juillet, puisqu'il faut attendre le début des vacances scolaires. En effet. À noter que parmi les postes ouverts, il y a le magnifique poste d'agent de production florale. Je trouve que le titre est particulièrement beau. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur ce sujet ? C'est une délibération qu'on prend chaque année. Oui. Les emplois d'été existent, les emplois saisonniers existent depuis... je ne m'en souviens pas exactement. Enfin, ça fait quand même très très longtemps maintenant. On poursuit. On était avec 72. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Merci pour... eux et les RH. Madame Meigny, vous poursuivez. Cette fois, c'est un dispositif d'insertion par l'emploi. Oui, tout à fait. Donc, il s'agit effectivement du dispositif CUI, donc le contrat unique d'insertion, et le parcours emploi compétences. Dans l'objectif de poursuivre son action en matière d'intégration et d'insertion, la ville souhaite apporter donc son soutien, bien sûr, aux personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi. Et du coup, leur permettant en fait d'avoir recours au dispositif d'insertion, donc qui est le parcours emploi compétences. Le PEC est un contrat de travail de droit privé, un contrat d'accompagnement vers l'emploi. Il s'inscrit aussi donc dans la lignée des emplois aidés, à savoir qu'il est destiné aussi aux personnes du coup qui rencontrent de grandes difficultés sociales et professionnelles, mais il est également en fait destiné aux demandeurs d'emploi de longue durée et aux personnes en situation de handicap.
Donc ce contrat peut effectivement est d'une durée alors minimum de 6 mois, parce que ça n'a pas été précisé, et maximum d'un an, et est rémunéré à hauteur du SMIC. Le SMIC a été révisé donc en mai 2029 et aujourd'hui il est d'un montant de 1 645,58 €. Donc outre le bénéfice en fait d'apporter bien sûr aux personnes recrutées un accompagnement et de permettre en fait leur insertion effectivement sur le marché de l'emploi, cela constitue pardon une réelle opportunité de renforcer aussi donc les équipes dans un contexte de maîtrise budgétaire donc pour la ville effectivement des Ulysses. Donc le parcours emploi compétences représente un véritable tremplin pour les personnes inscrites dans ce dispositif. Pour 2022, donc, il est prévu 5 postes pour accueillir les personnes via ce dispositif. Donc, vous avez effectivement la liste. Hein, il s'agit d'un poste agent polyvalent donc, de restauration sur les trois fourneaux, donc, qui est dans le cadre du partenariat avec la PJJ. Le poste d'agent horticole au sein des serres municipales. 2 agents en charge des salles des fêtes et en soutien lors des manifestations, donc rattachés au service lien citoyen associatif et événementiel, un agent chargé de suivi technique et des projets des studios musicaux. Donc, il vous est demandé au conseil municipal ce soir de la création de 5 postes d'accueil de personnes dans le cadre de ce dispositif. Merci, Madame Méni. Il y a un agent de la restauration, vous l'avez dit, pour les trois fourneaux. Je vous encourage d'ailleurs, si vous le pouvez, à vous rendre dans ce magnifique restaurant qui est une des plus belles tables des Ulysses, qui se trouve dans le centre commercial de la Treille et qui d'ailleurs je crois fait une soirée corse dans pas longtemps, n'est-ce pas, je ne sais pas s'il y en a un de vous qui a prévu d'y aller, mais en tout cas allez-y, c'est toujours une des plus bonnes tables des Ulysses, à un endroit très sympa. Pas de questions, pas d'observations, si non, bon, et bien écoutez, des votes contre, des abstentions, adopté à l'unanimité. Encore merci. Madame Méni, vous gardez la parole. Par apprentissage. Oui, contrat d'apprentissage. Donc, la ville des Ulysses souhaite continuer à développer l'apprentissage au sein de la commune. Donc, en effet, en recrutant des apprentis, la ville des Ulysses poursuit son engagement auprès des jeunes et plus généralement son action en matière d'intégration et d'insertion professionnelle. L'apprentissage représente une réelle opportunité pour les jeunes parce que cela leur permet d'acquérir effectivement des compétences, d'en développer d'autres et de découvrir le monde du travail. Pour 2022, il est prévu effectivement donc 11 postes en apprentissage. Ces 11 postes ont été budgétisés. Donc vous avez effectivement donc les différents services concernés et par service le nombre de postes. Donc ce soir, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir créer 11 postes d'apprentis et d'autoriser le maire ou son représentant à signer les conventions. Je précise simplement que la ville des Ulysses, comme toutes les collectivités, ne peut signer en cadre d'une alternance que des contrats d'apprentissage, donc pas de contrat de professionnalisation, qui est un autre type de contrat d'alternance, mais pour lequel nous ne sommes pas habilités par l'État pour pouvoir les signer. C'est pour ça que ce sont des contrats d'apprentissage. Des questions, des observations? Je n'en vois pas. Des votes contre? Des abstentions? Eh bien, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci, Madame Méni. Je reprends la parole pour une délibération essentielle qui va me permettre de remercier l'ensemble des représentants des forces syndicales qui représentent dignement les agents des Ulysses et également l'excellent service des ressources humaines et la direction générale des services pour le travail que nous avons fait, un travail de dialogue social. On en avait déjà parlé dans ce conseil municipal. La loi, alors j'ai oublié, c'est la transformation de la fonction publique, avait prévu, lors du dernier mandat, dernier quinquennat, avait prévu que les administrations territoriales soient obligées de se conformer à la loi sur le temps de travail. Un avis personnel, cela mettait évidemment en péril le principe de libre administration des communes et des collectivités, donc un principe républicain, un des piliers de la République française. Ce principe oblige à se mettre en raccord avec la loi qui nous oblige toutes et tous à travailler 1607 heures sur l'année. Cette répartition, il convenait de l'organiser, puisque la commune des Ulysses avait besoin de se mettre, de rattraper quelques heures de travail. Et donc, nous avons travaillé pendant plusieurs mois avec, évidemment, le regard de l'État qui nous poussait un peu, puisque nous sommes encore actuellement 3 communes
en Essonne, et je crois que nous serons deux, nous sommes dans les deux dernières à prendre une délibération pour organiser. Moi, j'ai voulu prendre le temps nécessaire au dialogue social, surtout dans un contexte de sortie de Covid où c'était un peu difficile de réussir à travailler sereinement et dans des temps de travail collectif. On a fait beaucoup d'informations. Nous avons pris en compte l'avis de la majorité des agents qui était d'organiser le temps de travail avec le principe des ARTT, donc les RTT, les fameux RTT que vous connaissez toutes et tous, salariés du privé ou qui avaient déjà mis en place ce type de dispositif, donc c'est-à-dire un temps de travail par semaine supérieur à 35 heures pour pouvoir cumuler des jours de repos, donc ce qu'on appelle les fameux RTT. Nous avons donc maintenant aux Ulis trois rythmes de travail possibles. L'annualisation, donc avec un temps de travail 1607 heures répartis sur les 365 jours d'une année civile. Le cycle pluri-hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on travaille 35 heures, enfin 37 heures en l'occurrence, sur deux semaines, enfin par semaine sur deux semaines, c'est-à-dire qu'on peut faire 39 d'un côté, 35 de l'autre. Et le cycle hebdomadaire qui comprend 37 heures de travail par semaine. Et donc, dans ces deux cas, on cumule les ARTT. Les services ont bien été identifiés dans le cadre, enfin leur organisation a bien été identifiée en lien entre la direction des ressources humaines, la direction des services et évidemment les agents qui ont été consultés et informés. Nous avons fait un travail avec les représentants syndicaux pour déterminer quelles seraient les spécificités du service public ulicien. La loi nous permettait notamment de prendre en compte ce que nous appelons des sujétions particulières et non pas des facteurs de pénibilité, parce que la pénibilité est une notion qui est définie dans le Code du travail et que le Code du travail définit la pénibilité sur plein de critères, mais aucun n'entre dans le cadre des missions d'un agent du service public ulicien. Pour autant, nous sommes conscients que dans bien des cas, je pense notamment par exemple aux agents d'entretien qui font un magnifique travail pour nos écoles et nos équipements publics au quotidien, parfois dans des conditions difficiles, comme ce fut le cas dans le temps où il a fallu en plus mettre les bouchées doux pour respecter les normes imposées, les normes sanitaires imposées. Je pense évidemment aux agents qui travaillent auprès des enfants. Je pense évidemment aux agents qui travaillent dans les services techniques. Nous avons identifié tout un tas de services qui donc feront l'objet de sujétions particulières, c'est-à-dire qu'on leur reconnaît un principe de spécificité qui permettra d'accroître le nombre d'ARTT possibles. Tout cela varie entre 1 et 3 jours d'ARTT supplémentaires par rapport aux 12 jours d'ARTT qui seront cumulés par un salarié normal. Ces dispositions ont été travaillées, je le précise, par les représentants du personnel, d'abord dans le cadre des mensuels syndicales qui, comme leur nom l'indique, permettent au maire, à la direction des ressources humaines et à la direction générale des services de recevoir les représentants des forces syndicales de la ville des Ulis. Également dans le temps de travail avec les services, et bien entendu, a été adopté, et c'est à noter, à l'unanimité par le comité technique, qui est l'instance d'organisation des ressources humaines aux Ulis, qui fait siéger à part paritaire les représentants du personnel élus et les élus du conseil municipal et désignés à ce titre. Nous avons fait, je crois, un travail qui permet de tendre vers une équité. Même si nous avions tous et toutes autour de la table une opposition de principe à l'application de cette loi, parce que, je le redis, même si mon rôle premier, c'est de faire appliquer la loi, et dans bien des cas, on aurait beaucoup à redire, nous avons sur le principe acté un désaccord profond. Le CT l'a dit, le conseil municipal l'a réaffirmé, mais nous sommes bien obligés à la fin d'appliquer la loi, et rien que la loi, c'est le fondement du principe républicain. Je ne serai pas plus long. Si vous avez des questions, je vous invite évidemment à les formuler. Il est à noter que nous avons, et je le répète, un accord unanime du CT, donc du comité technique, et c'est donc, je crois, la reconnaissance d'un dialogue social efficace. Merci aux agents, merci à la Direction générale des services, à la Direction des ressources humaines, et évidemment aux représentants syndicaux qui nous regardent, certains de leurs yeux, d'autres derrière par écran interposé. Je ne serai pas beaucoup plus long, parce que je peux être beaucoup plus long, mais il y a encore un ordre du jour beaucoup plus assez étendu. Des questions, des observations? Je n'en vois pas. Le débat avait de toute façon eu lieu dans un précédent conseil municipal. Je soumets donc aux voix cette application, cette nouvelle organisation du temps de travail. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Adoptées à l'unanimité comme au CT, je vous en remercie vraiment du fond du cœur.
Mme Charpentier, on change un peu de sujet. On adhère à un réseau de musique actuelle en région parisienne. C'est ça. Je vous salue d'ailleurs, Mme Charpentier, parce que c'est un grand plaisir pour moi de vous avoir à notre table. Et voilà. Non, parce que vous avez été sur le devant de la scène récemment. N'est-ce pas? Voilà. Le RIF, donc c'est le réseau des musiques actuelles en Île-de-France. Il regroupe 160 structures, des salles de spectacle, des festivals, des studios, des maisons pour tous. C'est une association qui aide les professionnels de la culture en luttant contre leur isolement. Elle vise à développer des initiatives d'intérêt général en matière de musiques actuelles sur l'ensemble du territoire francilien. Elle favorise la coopération donc et la mutualisation entre ses adhérents. Afin que la ville des Ulysses puisse bénéficier des compétences et de l'expertise des structures adhérentes et des divers partenaires, nous demandons au conseil municipal de bien vouloir voter ce soir l'adhésion à ce réseau pour un montant de 100 euros. On parlait de petites poches tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Bien, mais je vous propose d'approuver cette adhésion et de m'autoriser à signer cette demande d'adhésion, des votes contre, des abstentions, adoptées à l'unanimité. Merci, Mme Charpentier. Mais comme vous avez bien travaillé, vous gardez la parole, puisque là, on adhère à un collectif pour la culture en Essonne pour l'année 2022. C'est ça. Alors, le collectif pour la culture en Essonne, c'est un réseau d'acteurs culturels qui œuvrent ensemble pour favoriser l'accès à la culture pour tous, toujours sur le territoire. Ce collectif rassemble aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'acteurs et attire chaque année de nouveaux partenaires. Reconnu d'intérêt public, il bénéficie notamment du soutien du département de l'Essonne, de la région et de la DRAC Île-de-France. Les activités du collectif s'organisent autour de la création artistique et scientifique. Adhérer à l'association permettra, entre autres, à la ville des Ulysses de bénéficier de l'accueil d'artistes en résidence et de participer au festival La Science de l'Art. Je fais un petit clin d'œil à Madame Bourneuf, qui en sera enchantée, j'en suis sûre. Durant ce festival, nous pourrons accueillir un projet issu d'une rencontre entre un scientifique et un artiste contemporain. Et c'est pourquoi je demande ce soir au conseil municipal de bien vouloir voter l'adhésion au collectif pour la culture en Essonne pour un montant de 150 euros seulement. Ça monte quand même un petit peu, je note l'augmentation. J'ai la crainte puisque vous avez deux délibérations ensuite. Des questions, des observations? Bien, je vous propose de voter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Un grand merci. Madame Charpentier, on n'arrête pas le plaisir. Toujours, mais cette fois, ça va vous faire plaisir. C'est une demande de subvention. Ah bah là oui, pour le coup, c'est mieux. Si ça peut être plus que 150 euros, allez-y. Dans le cadre du schéma départemental des enseignements artistiques et du plan départemental d'éducation artistique et culturelle, le conseil départemental de l'Essonne accompagne les acteurs culturels actifs en Essonne, notamment en soutenant financièrement les structures et actions présentant un intérêt pour les Essoniens. Ces aides financières s'appuient sur plusieurs dispositifs, dont les contrats culturels de territoire et l'aide à l'investissement culturel. Le contrat culturel de territoire a pour objet d'accompagner une commune dans la mise en œuvre et le développement d'un projet culturel structuré et durable. Il peut être complété par un soutien à l'investissement culturel. Afin de pouvoir répondre aux objectifs fixés par notre municipalité, faire de la culture un vecteur de lien social et un facteur d'intégration, proposer un projet artistique singulier et de qualité qui permettra à notre ville de rayonner, soutenir la création contemporaine dans sa variété de formes et mettre en place un programme d'action culturelle pour tous les publics. Il est demandé ce soir au conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à solliciter une subvention la plus élevée possible auprès du conseil départemental de l'Essonne, ainsi qu'une aide à l'investissement culturel afin de pouvoir renouveler notamment du matériel obsolète à Boris Vian et au Radazic. Madame Nagy, je vous encourage à relayer avec vigueur et force, comme vous savez le faire, force de persuasion, notre demande de subvention au conseil départemental. Oui, si ce n'est pas 150 euros, ça. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur cette délibération? Je n'en vois pas. Des votes contre, des abstentions, adoptées à l'unanimité. Madame Charpentier, vous avez travaillé cette année sur une première partie de la réforme de la tarification des affaires culturelles. Je vous laisse la parole. Ouais. Alors après deux années d'épidémie de Covid, où dans tout le pays, la population a été privée de cinéma, de spectacles et de concerts, notre municipalité souhaite favoriser le retour du public dans nos structures culturelles.
Et c'est avec cette volonté de permettre au plus grand nombre de fréquenter nos lieux de culture que nous avons retravaillé partiellement les tarifs de ces structures pour la saison 2022-2023. Nous proposons de faire bénéficier les habitants des Ulysses du tarif réduit dès l'achat d'un premier billet. Jusqu'à présent, le tarif réduit ne s'appliquait aux Ulyssiens que dans le cadre d'un abonnement. Donc c'est une nouveauté. Nous proposons également de mettre en place un tarif culture pour tous à 6 euros pour les spectacles à Boris Vian et à 2,50 euros au cinéma Jacques Prévert. Ce tarif permettra, nous l'espérons, au public suivi dans les structures socio-culturelles, sociales, médico-sociales, la réussite éducative, la jeunesse, de venir nombreux, ou en tout cas plus nombreux, dans nos salles. Les familles également étaient au cœur de notre réflexion. Nous avons donc imaginé pour cette saison culturelle 2022-2023 un tarif découverte famille, 10 euros par adulte dans la limite de 2 adultes et 5 euros par enfant, valable une seule fois dans l'année, mais sur tous les spectacles, quelle que soit la catégorie, donc y compris les spectacles de catégorie A. Enfin, nous proposons aux jeunes de moins de 26 ans d'appliquer le tarif à 10 euros sur tous les spectacles de catégorie A et B de la saison. Les spectacles de catégorie C, eux, restent au tarif de 6 euros. Nous abaissons également l'abonnement jeune 4 spectacles au tarif de 30 euros. Ces modifications de tarifs que nous soumettons au vote ce soir ne sont qu'une étape dans la nouvelle politique tarifaire que notre municipalité souhaite mettre en place. Mais comme je vous le disais en introduction, les flux de public ont été si perturbés ces deux dernières années qu'il était difficile au service de s'appuyer sur des données pour travailler. Le chantier reste donc ouvert, mais nous espérons bien que la nouvelle tarification proposée sur la saison culturelle 2022-2023 permettra au plus grand nombre de satisfaire la curiosité qui émanera, j'en suis sûre, de la programmation. Programmation qui, d'ailleurs, sera présentée au public le mardi 20 septembre à 19h et qui sera suivie à 20h30 d'un spectacle de jonglerie et d'acrobatie Parbleu. Ce spectacle est gratuit, ainsi que bien sûr la soirée de présentation de saison, donc on vous attend nombreux. Voilà, voilà. Merci donc de bien vouloir valider ces nouveaux tarifs proposés. Acrobatie et jonglerie, la spécialité de Monsieur Mounou. Qui sera présent, j'en suis sûr. C'est une balle perdue, Monsieur Mounou. Un vrai travail, le début d'un travail qu'on pense plus qu'utile pour garantir l'accessibilité du plus grand nombre à nos merveilleuses structures culturelles. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet, sur cette nouvelle tarification? Non? Françoise, vas-y. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Dans le tableau, il y a les tarifs, oui. Espace culturel, abonnement. Tarif normal, tarif CPS. Pourquoi le tarif CPS est moins cher que le tarif normal? C'est une volonté politique de faire, de permettre notamment... alors, Sarban, tu veux répondre? Mais dans le normal, il y a les Ulyssiens ou pas? Non, non, les Ulyssiens bénéficient du tarif réduit. Okay. Donc, il y a un premier niveau pour les Ulyssiens, un second niveau pour les habitants de la CPS, et le tarif normal s'applique à tous les autres. On a proposé d'ailleurs qu'on ait un regard peut-être notamment sur... des communes riveraines type Saint-Jean-de-Bourgard, il y a pas mal de gens qui habitent la commune de Saint-Jean qui pourraient profiter du centre culturel Boris Vian, mais comme la ville n'est pas adhérente à la communauté d'agglo Paris-Saclay, on regardera dans la tarification de l'année prochaine si on peut avoir justement cette spécificité. On tient, parce que ce sont des moments importants, à ce que ce sont des éléments importants pour notre ville, que la culture soit accessible aussi, puisqu'on sait faire des belles choses ici aux gens qui habitent à côté. Ce sera aussi une main tendue vers les communes de la CPS pour, pourquoi pas, un jour, une tarification qui permette aussi aux Ulyssiens de profiter d'autres équipements, parfois, qui sont tout aussi intéressants à proximité. Pas d'autres questions? Bien, écoutez, je soumets aux voix. Madame Charpentier, le travail continue. Du coup, je vous fais confiance. L'année prochaine, une tarification complète avec qui répond à nos objectifs politiques. Oui, une tarification complète et d'autres projets encore que je ne dévoilerai pas. Ah non, surtout, ne divulgâchez pas tous vos talents, Mme Charpentier. Merci beaucoup. Je soumets aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adoptées à l'unanimité. C'était vos dernières délibérations de la soirée, Mme Charpentier. Je vous en remercie. Chère Annick, Mme Le Poul, on passe à l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers politiques de la ville. Tout à fait, une délibération habituelle et annuelle.
Donc cette délibération concerne l'exonération de 30% de la taxe foncière, pour ceux qui connaissent TFPB, dont bénéficient les bailleurs sociaux des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette exonération est fixée par les différentes lois de finances et l'actuelle a été prorogée jusque fin 2022. Pour cette année, cela représente pas moins de 440 000 euros d'exonération tout de même. Pour les Ulis, il s'agit des quartiers Les Hautes-Plaines, La Donnière, Les Avelines, Le Bosquet, Les Fraisiers et Adoma. Et quatre bailleurs sont concernés, I3F, Logirep, CDC Habitat et Adoma. Cela représente 1 800 logements et plus de 5 800 habitants de notre ville. Alors bien évidemment, cette exonération s'accompagne d'actions que les bailleurs doivent mettre en place au profit de leurs locataires, avec des objectifs de qualité, de cadre de vie, de cohésion et de développement social. Il s'agit entre autres de plus de présence de personnel sur le terrain, du surentretien, des travaux d'amélioration du cadre de vie, mais également des actions de sensibilisation, de lien social, de vivre ensemble et d'insertion. Pour rappel, ces actions ne doivent en aucun cas être de droit commun, c'est-à-dire que les bailleurs doivent d'une façon normale aux habitants, donc les prestations habituelles et classiques. C'est d'ailleurs ce point qui pose souvent problème aux Ulis, comme partout en France, à vrai dire. Pour ce faire, les bailleurs doivent d'ailleurs nous fournir des indicateurs mesurant les plus qu'ils mettent en œuvre dans les quartiers politiques de la ville versus les logements qui ne sont pas en politique de la ville. Et c'est ce surcoût qui doit être uniquement intégré dans cette exonération, bien évidemment. Nous avons été très clairs avec les bailleurs sur ce point, non négociable, en lien avec la loi d'ailleurs, hein, et fixé en plus un minimum de 30% de l'exonération pour de véritables actions en bénéfice direct des habitants. Ce qui a quand même été entendu, hein, voilà, c'est quand même des choses qu'on arrive à faire un petit peu avancer, puisque nous arrivons à 45% d'actions qui sont sur ces actions prioritaires que nous avions définies avec eux. Enfin, 45% au global, même si 3F se fait un petit peu plus tirer les oreilles pour y arriver, hein, aux 30%. Bon. Lors du dernier comité de pilotage du 22 mars, présidé par M. le maire, les bailleurs sociaux du QPV ont présenté leurs programmes d'action respectifs et se sont assurés de leur inscription dans nos orientations politiques. Donc, lien social, comme je l'ai dit, animation, propreté urbaine, gestion et entretien des pieds d'immeubles, surentretien de certaines cages d'escalier, lutte contre les nuisibles, même si ça c'est un petit peu plus compliqué et on voit en ce moment encore des recrudescences de pigeons et de rats. Régulation donc des volatiles, comme je viens de le dire, sécurisation des parkings, permanence sociale des bailleurs, travaux d'amélioration et de rénovation. Dans le fléchage des actions spécifiques de lien social, en exemple, nous avons entre autres les animations en pied d'immeuble, comme l'année dernière, mais là, ce sera un peu plus sur toute l'année, hein, puisqu'on va avoir tout au long de l'année des animations, de participation donc, au village des possibles et au plan été, avec des actions sportives sur les dalles au cœur des résidences, mais aussi des actions culturelles, participation au cabaret d'été, par exemple. Aussi, le travail que l'on fait sur les jardins partagés, donc participe à ces actions des jardins partagés en pied d'immeuble, des actions et ateliers pour réduire la fracture numérique, pour faire plaisir aussi à M. Iduam, qui est par là, voilà, et, comme j'ai dit, lutte contre les nuisibles. Mais également, cette année, quelque chose que l'on a réussi à développer beaucoup plus, c'est les chantiers d'insertion et chantiers jeunes, n'est-ce pas, Delila, principalement avec Dynamique Embauche, un volet qui donc a été développé pour 2022, puisque cela représente pas loin de 66 000 euros de budget sur les trois bailleurs principaux. Donc, et c'est à destination des jeunes issus des résidences concernées, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment un véritable plus pour ces jeunes. Sans oublier les actions plus classiques, comme le renforcement du gardiennage, du nettoyage, etc. Donc des diagnostics en marchant sont réalisés deux fois par an avec chaque bailleur, les services de la ville, donc que je remercie au passage pour leur ténacité et pour avoir répondu à notre exigence sur ce sujet. Donc aussi des élus, les amicales de locataires, mais également les membres du conseil citoyen qui participent activement, à cette démarche et donc sont de toutes les promenades des diagnostics en marchant où l'on fait le tour des résidences, on va dans les parkings, on monte dans les étages et on regarde toutes les choses qui ne vont pas
On regarde aussi les réalisations qui ont été faites pour, bien évidemment, les choses qui ont été prévues dans le cadre de l'exonération de TFPB, si ça a été réalisé ou pas. Voilà, nous avons donc conjointement déterminé le contenu des projets de la convention et nous finalisons actuellement la programmation 2022 dans les détails, afin de valider les porteurs de projets associatifs, par exemple, qui peuvent être associés dans ces projets. Et bien évidemment, ces actions feront l'objet d'un suivi et d'évaluation. Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver les programmes prévisionnels d'action 2022 pour cette exonération de taxes foncières et autoriser le maire à signer les conventions. Et donc, dans votre dossier, vous aviez les conventions détaillées avec, pour les quatre bailleurs. Merci. Merci, Annick. Je dois avouer en plus que je suis particulièrement satisfait de la pugnacité dont fait preuve notre élu en charge de la politique de la ville, mais aussi les services qui suivent ça, parce qu'il a fallu réorienter un certain nombre d'axes qui n'étaient pas forcément développés jusqu'alors et faire partager nos objectifs ambitieux en matière notamment d'action à destination directe des habitants. On a des bonnes nouvelles d'ailleurs sur les QPV et le quartier, certaines résidences des quartiers prioritaires. La Donnière qui va faire l'objet d'une rénovation, le Bosquet c'est en cours de budgétisation, les Hautes-Plaines, le plan nous est présenté je crois dans les semaines qui viennent, on a effectivement senti qu'il y avait du répondant chez les bailleurs. Bon, il faut effectivement, comme tu dis, le terme me tirer les oreilles, mais c'est peut-être plus à faire partager des objectifs et une méthode de travail. On a, et je le dis d'ailleurs pour les habitants du 29 Les Avelines qui nous ont alertés, parce qu'il y a des choses qui relèvent du droit commun, hein, qui ne sont pas dans les actions qui doivent être faites directement, mais on doit, le 29 Les Avelines, qui soit ce soir avec le problème d'ascenseur qu'on connaît depuis de nombreux jours. Le bailleur nous a toujours assuré que... Et au 33 Le Bosquet aussi. Et au 33 Le Bosquet, oui, depuis... voilà. Et au Hautes-Plaines, je crois que c'est le bâtiment 1 où il y a un problème d'ascenseur. On est vigilant là-dessus, n'hésitez pas à nous faire les remonter. Je disais au 29 La Ville, normalement ça devrait être réglé à la fin de la semaine, mais je repasserai vérifier ça d'ici demain soir. Juste pour dire aussi que dans les éléments intéressants, c'est que cette réorientation pour des actions vers les habitants a pour effet de voir la reconstitution de groupements de locataires. La Donnière qui reprend un peu, même s'il y a une amicale qui existe aussi en parallèle, il y a un groupement de locataires assez actif qui commence à reprendre un peu du poil de la bête, et notamment un de ses membres qui, je crois, siégera au Conseil citoyen renouvelé avec le nouveau contrat de ville. Sur les Avelines, il y a des choses qui sont en train de se passer, mais il y a déjà une amicale des locataires qui se voit un peu renforcée par un groupement. Tout comme au Bosquet, je crois qu'il y a des prémices d'un groupement de locataires aussi. Les Hautes-Plaines, il y avait une, et c'est une tradition, une amicale qui fonctionnait. On salue son président, monsieur, oui, tout à fait, notre cher Jacques. Et puis évidemment, un travail toujours de suivi attentif de la part des services et des élus. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur cette délibération? Très bien, je soumets aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci, Annick. AGER, une subvention auprès de la Caisse des allocations familiales. On a reçu son directeur il y a peu. Oui. On a eu la chance que M. Lacroix puisse venir sur la ville des Ulis et voir... Il vient tous les ans, d'ailleurs. Oui, il vient tous les ans et il reste de plus en plus longtemps. On va voter ce soir la subvention de la CAF, justement, pour un poste de chargé de coopération de la Convention territoriale globale. Je vous en ai parlé lors du dernier conseil municipal. Je vous expliquais donc que la Convention territoriale globale est la synthèse de l'ensemble de nos projets politiques signés pour une durée de 3 ans. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir, être subventionné par la CAF directement sur un poste afin de pouvoir constituer pouvoir piloter le projet global d'amélioration avec le service pour les familles, pardon. Et donc ça permettra d'élargir tous les champs de compétences de la CAF. Ce poste en fait permettra de donner une dimension stratégique essentielle pour notre politique et en même temps mettre en avant donc la qualité des 3 sphères d'intervention, donc la fonction stratégique avec les enjeux qu'on a identifiés, créer des mobilisations, devenir des partenariats à créer, créer de la synergie entre la jeunesse et les passerelles ensemble,
qu'on est en train de développer sur la partie entrée à l'école, sur la partie entrée en petite section, entrée en CP, entrée en CM2 et entrée en seconde. Voilà les étapes importantes dans la vie des jeunes enfants, mais aussi des parents. Ça permet aussi, le chargé de coopération aura donc la fonction de pilotage, de mise en réseau sur l'ensemble des encadrements pour le temps, et en même temps de rechercher des solutions pour le déploiement avec le service à la population. Ça permettra donc de travailler, donc, comme je vous ai dit, en lien avec la petite enfance, la jeunesse, à travailler sur les axes de la parentalité avec les maisons pour tous, sur les parties logement, l'accès aux droits, l'inclusion. Donc, je vous demande ce soir de bien vouloir autoriser donc, le maire à pouvoir, signer la convention avec la CAF pour le poste de chargé de coopération de la CTG, s'il vous plaît. Non, je réfléchis. Merci, Agir, excuse-moi. J'étais perturbé par une information. Il n'y a pas de sujet. Je vais être monsieur Levray est déjà prêt à prendre la parole. Ah, je suis au taquet, moi. Détendez-vous, Charles. Attention. Détendez-vous. Oui, tout à fait. C'est une petite. Voilà. Mais d'ailleurs, on pourrait faire, juste pour l'embêter, on pourrait faire vivre le débat. Voilà, inventer des choses. Je vais me permettre d'ailleurs de dire qu'on a proposé à la CAF, vous me permettez de dire ça, monsieur Fraga, d'accueillir les assises, enfin d'accueillir les premières assises du PRE aux Ulis en lien avec la direction académique pour essayer de faire un lien sur notre magnifique PRE, notre projet de réussite éducative. Et ce serait une bonne occasion aussi de parce que c'est un des enjeux, d'être un peu moins dans une logique d'appel au projet avec la CAF pour le soutien au PRE, mais plus dans une logique de participation constante. Pas l'intermédiaire de la CTG, pourquoi pas, mais en tout cas de continuer à les pousser un peu. Je précise aussi qu'on lui a, comme chaque année, réclamé des permanences aux Ulis d'agents de la CAF. C'est compliqué, pour pas dire plus, mais on le lâchera pas jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose de plus tenable pour notamment les personnes qui nous souvent sollicitent les services municipaux pour répondre à des problématiques liées aux prestations CAF. Je ne serai pas plus long, mais c'était juste pour donner des infos utiles et puis pour faire patienter notre cher Guénel. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres observations? Est-ce qu'il y a donc des votes contre, des abstentions adoptées à l'unanimité? Cette fois-ci, mon cher Guénel, je vous laisse la parole. Soyez prêts. Merci beaucoup. Alors moi, je vais vous présenter une délibération relative à une aide financière à destination des nouveaux bacheliers. Alors c'est un bonus post-bac de 100 € qui est particulièrement destiné aux bacheliers ulyssiens qui s'inscrivent dans des études supérieures. Alors, compte tenu du contexte économique actuel et des difficultés sociales auxquelles peuvent être confrontés les ulyssiens, ce bonus permet de couvrir une partie des dépenses de rentrée, comme des équipements informatiques, un achat de livres ou des frais de transport. Pour rappel, donc, en 2021, 126 jeunes ulyssiens ont bénéficié de cette subvention, pour un coût total, bien sûr, de 12 600 €. Les demandes doivent être faites auprès de l'InfoJeune, qui va être inauguré, dont le nouveau local va être inauguré demain midi. Et ce passage à l'InfoJeune est l'occasion pour nos services de prendre contact avec des jeunes qui ne fréquentent pas forcément cette structure habituellement. Et les jeunes concernés ont jusqu'au 15 novembre pour demander ce bonus post-bac. Je vous demande donc de bien vouloir approuver le versement d'une aide financière à hauteur de 100 € pour tout nouveau bachelier ulyssien qui en fera la demande. Merci, Monsieur Martoni. Des questions, des observations sur cette délibération? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions adoptées à l'unanimité? Donc, on change le nom, en fait, de la bourse au bachelier. C'est post-bac. Post-bac. Bonus post-bac. C'est pour inciter à s'inscrire aussi dans les études supérieures et pour faire comprendre que c'est seulement si on est inscrit en études supérieures qu'on aura cette bourse. C'est pas pour tous les bacheliers. Joli, joli. Mon cher Guénel, vous gardez la parole pour une
subvention pour les petites dépenses, les menus dépenses. Les menus dépenses, tout à fait. Des classes de découverte, allez-y. Donc dans le cadre de notre soutien aux départs en classe de découverte pour les élèves lycéens, la municipalité apporte une aide financière aux écoles pour les menus dépenses. Donc il s'agit d'une subvention à hauteur de 26 euros par classe et par jour, qui peuvent permettre de couvrir aussi des dépenses liées aux projets pédagogiques liés à ces sorties. Donc pour information, cette subvention représente un total de 1 638 euros en 2021, dont 988 pour les maternelles et 650 euros pour les élémentaires. Donc ces classes de découverte ont lieu principalement à la ferme du Bel Air pour les élèves de grande section, mais aussi à la montagne ou à la mer pour les élèves d'élémentaire. Donc je vous demande de bien vouloir autoriser le versement de cette subvention de 1 638 euros pour l'année scolaire 2021-2022. C'est clair, c'est limpide. Du coup, ça ne soulèvera peut-être pas de questions. Je n'en vois pas en tout cas. Je soumets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions adoptées à l'unanimité? Bravo, monsieur Levray. On ne vous entend pas assez. Il faudrait que vous soyez plus. Madame Mosny, on va parler d'Emos. D'ailleurs, les enfants de Demos qui ont participé à l'opération Bus Opéra, je crois, de dimanche dernier. Je dis une bêtise. Oui. C'est ouais. Tout à fait ça. Parce qu'ils ont, d'ailleurs, il y avait beaucoup de monde pour entendre les airs, le célèbre air de la Castafiore, c'était le Faust de Gounod. Allez-y. Donc, je vais vous rappeler donc, ce que c'est des mots, c'est d'où ça vient. Donc, initié et coordonné nationalement par la Philharmonie de Paris et porté par l'Opéra de Massy sur le territoire essonien, DEMOS, dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, est un projet de démocratisation culturelle sur la pratique de la musique en orchestre pour une durée de 3 ans. Depuis 2021, nous, la municipalité, avons décidé de prendre un deuxième pupitre, donc avec 15 enfants supplémentaires, soit un total de 30 enfants. Dans un orchestre qui contient 6 groupes d'enfants issus de Chilly-Mazarin, Longjumeau, Massy. Donc ça représente une totalité de 80 enfants avec un ratio de 70% pour des filles et 30% de garçons. Donc autour de tous ces petits enfants sont gérées 20 personnes, des danseurs, des chefs de chœur, les accompagnent au quotidien. Aux Ulysses, donc, nous avons plusieurs référents pour gérer le groupe qui, évidemment, en plus, nous avons la chance d'avoir la présidente de l'EMU où les enfants s'entraînent régulièrement, donc 2 fois par semaine. Et donc la chef Camélia Rosetti qui dirige l'orchestre. Donc au cours des 6 premières semaines au début du projet, les enfants se sont consacrés au chant et à la danse, afin d'apporter la musique par leur corps et de préparer l'arrivée des instruments. Durant ces séances, les enfants ont donc acquis les bases techniques vocales et ont développé la conscience de leur corps en vue des gestes instrumentaux pendant cette période qui a permis aux enfants de créer un environnement collectif propice à l'épanouissement et au développement des compétences psychosociales, émotionnelles, cognitives et sociales. Une première restitution publique, restitution publique s'est déroulée à l'occasion de la cérémonie de la remise des instruments le 22 janvier à l'Opéra de Massy et les enfants ont eu l'occasion de travailler en atelier et en rassemblement. Depuis le mois de février, la pratique instrumentale est au cœur des ateliers menés pour à chaque groupe de binômes, de musiciens, de danseurs, de chefs de chœur, pour continuer à intervenir une fois par mois lors de cette année d'apprentissage. Donc, tous ces projets sont financés par la municipalité en partie. Et ce soir, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir signer la convention entre l'Opéra de Massy pour les 30 enfants, une somme de 26 000 euros sur 3 ans, s'il vous plaît. Vas-y, Françoise. Ils ont quoi comme instrument, le nouveau pupitre ? Des violons. À cordes. Oui, pas que. C'est à cordes. Ils ont les violoncelles, ils ont les violons, les violons. Voilà, tous les instruments à cordes. J'ai dans le fond de la salle, j'ai la présidente de l'école de musique des Ulysses qui me mime les instruments, mais je n'arrive pas à bien comprendre. On vous laissera la parole.
L'alto. L'alto. Le public. Je suspends la parole et je lui laisse la parole. Voilà. C'est plus drôle. Donc c'est un alto, Mme Keller. Je reprends la parole et je vous remercie, Mme Marwenda. Est-ce qu'il y a des questions et des observations? Très bien. C'est très impressionnant. Et donc, du coup, voilà, ils ont représenté à Faust dimanche dernier, si vous avez pu les observer. Impeccable. Et on espère les revoir bientôt. Pas d'autres questions. Je soumets donc aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Parfait, on peut continuer ce merveilleux dispositif qui existe depuis plusieurs années aux Ulis. On adore, on aime, on continue. Annick, tu reprends la parole. Ville, vie, vacances, dans le cadre de la politique de la ville, pardon. Excusez-moi. Oui, il s'agit des actions de la politique de la ville et de Ville, vie, vacances. Et donc là, il s'agit de demander des subventions les plus hautes possibles à nos financeurs donc pour les actions 2022. Donc c'est dans le cadre de la cohésion urbaine, un contrat de ville a été établi autour d'un projet de territoire qui intègre donc les enjeux de cohésion sociale, de développement urbain, économique et durable. Ce contrat est la feuille de route de la politique de la ville et il a été prolongé jusqu'en 2022 par le biais d'un protocole d'engagement signé entre les ULIS et la communauté d'agglos Paris-Saclay, puisque ce sont maintenant les agglos qui sont signataires des contrats de ville. Qui permettent effectivement de mobiliser l'État et les différents partenaires, même si ce n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on espère. Donc l'ambition de la politique de la ville est de réduire les écarts de développement dans les quartiers les plus en difficulté et bien sûr d'améliorer les conditions de vie des habitants. Pour l'année 2022, indépendamment des porteurs de projets associatifs qui ont déposé leurs propres dossiers, les services municipaux sollicitent donc nos partenaires signataires pour financer un certain nombre d'actions. Pour 2022, dans le cadre de la politique de la ville, cela représente 1 109 741 euros, et vous avez le détail dans la délibération, et 8 300 euros dans le cadre de Ville Vie Vacances. Pour la politique de la ville, entre autres, il y a la reconduction du dispositif parenthèse avec les collèges, qui permet l'inclusion des collégiens en situation d'exclusion pour qu'ils soient pris en charge durant cette période. Le classe. Donc, toutes les entraides scolaires, le PRE, dont on a parlé tout à l'heure, et également la reconduction du dispositif quartier d'été pour un coût global de 50 000 euros qui permet d'étoffer le plan été mis en place sur la ville durant les congés scolaires et qui, cette année encore, fera la part belle à des animations et activités au cœur des quartiers. Mais je n'en dirai pas plus, je ne vais pas dévoiler les projets de Coco. Pour Ville Vie Vacances, les projets portés principalement par le service des sports et la jeunesse. Et donc là encore, vous avez tous les détails dans la délibération. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, du conseil départemental de l'Essonne, de la CPS, de la CAF, pour l'année 2022, pour mettre en œuvre toutes ces actions et signer les conventions avec les partenaires. Merci Annick. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Pas de questions. Vas-y. Non, je discutais de la politique de la ville dans son ensemble et j'ai toujours été interpellée. Il n'existe toujours pas d'indicateur, enfin, voir ce qui est positif là-dedans, parce qu'on a mis ça en place quand ça a démarré en 2002. C'est gros. Je vais laisser Annick, vas-y. Mets le micro, Annick. Le micro, s'il te plaît. Le micro, parce qu'on est regardé. Excusez-moi. Oui, ça anticipe un petit peu ce que je voulais dire dans la prochaine délibération, mais mais je peux. Et puisque j'ai la parole, voilà, Monsieur le Maire, si vous permettez. Mais avec grand plaisir, cher Annick. Donc, je voulais préciser justement que le contrat de ville actuel se termine fin 2022, et un travail d'évaluation est en cours par les services de la CPS et nos services municipaux. Ils doivent donc justement dresser un bilan de l'efficacité du contrat de ville actuel. Cette évaluation rendra compte également de la mise en œuvre et des résultats des actions déployées en ciblant prioritairement les dispositifs les plus structurants. Il s'agit d'ailleurs d'un travail colossal que nos agents ont déjà commencé, les agents de la CPS et les agents municipaux de la ville. Donc je les remercie en avance parce que je sais que c'est très prenant, très lourd. Car il ne s'agit pas seulement de compulser des chiffres, mais aussi de mesurer les bénéfices réels du contrat de ville sur la vie des habitants concernés.
Donc j'espère qu'on pourra arriver avec ce bilan-là d'avoir justement quelque chose d'un petit peu plus tangible et pas seulement des chiffres, mais voilà, mesurer l'impact, s'il y a eu des impacts positifs. Je pense que oui, parce que si on n'avait rien fait, ça aurait été certainement beaucoup plus difficile. Voilà. Donc ce travail permettra de préparer justement les futures discussions sur le renouvellement de la nouvelle géographie prioritaire et la nouvelle contractualisation du prochain contrat de ville, en ayant une vision claire sur les évolutions statistiques des QPV et des quartiers en veille, qui, à notre sens, devraient d'ailleurs être intégrés dans une nouvelle cartographie, parce qu'on se rend compte que les difficultés existent beaucoup plus que sur le QPV qui avait été réduit en 2014. Donc voilà, et en espérant que ça nous permettra également d'intégrer de nouveaux dispositifs, tels que, et pour n'en citer qu'un, les cités éducatives, par exemple. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Madame Marwenda? Je crois que vous avez... Oui, tout à fait. Effectivement, on continuera de demander à l'État à l'obtention du label cité éducative. On ne lâchera pas. Et d'ailleurs, on interpellera le futur député, le nouveau député sur ce sujet. Lodo. Pour continuer un petit peu dans le même sens, je voudrais simplement donner deux chiffres. Deux chiffres qui ont été avancés par M. Samsung, maire de Massy et vice-président de la CPS, lors d'une réunion récente, qui concernait le diagnostic de peuplement qui a été élaboré au niveau de la CPS. Deux chiffres. Sur l'ensemble de la communauté Paris-Saclay, le revenu médian des ménages est de 27 000 euros par an. Sur les 4 QPV, dont celui des Ulysses, le revenu médian est inférieur à 13 000 euros. Donc, moins de la moitié du revenu médian de l'ensemble du territoire. Et notre QPV est, parmi les 4, celui qui est, avec le revenu médian, le plus bas. Alors, au-delà, effectivement, des résultats qu'il est important d'évaluer, la nécessité d'une politique de la ville, je crois, elle ne fait pas de doute. Non, mais ça, je pense que c'est remis en cause par personne. Hein. Mais effectivement, d'ailleurs, on espère peut-être qu'un jour, il y ait une cartographie plus fine qui redéfinisse les quartiers politiques de la ville, puisqu'ils sont essentiellement sectorisés à l'ouest de la ville, et on sait que certains secteurs à l'est aujourd'hui... Pardon ? Non, bien sûr. Ah non, je sais bien. Non, mais au contraire, c'est d'ailleurs la loi Lamy qui est de... parce que Mme Marwenda, on n'entend pas le micro, disait que ce n'est pas une décision municipale, c'est effectivement une décision de l'État qui a fait une méthode de cartographie basée sur le revenu médian. C'est très fin. Ça a permis à des villes, notamment Guéret, par exemple, d'entrer dans les dispositifs politiques de la ville. Mais aux Ulysses, ça a eu comme effet de voir sortir un certain nombre de quartiers qui aujourd'hui... Enfin, de résidences, pardon, et de secteurs qui aujourd'hui pourraient... clairement faire l'objet notamment d'actions d'exonération de TFPB pour les bailleurs, voire même d'un regard supplémentaire. Mais on espère que les différents gouvernements se pencheront sur la question. En tout cas, sur le dernier mandat, on a été extrêmement déçus de l'action de l'État sur la politique de la ville. Vas-y. Malgré le rapport Borloo. Du rapport Borloo qui a été mis au placard. Et peut-être qu'il ressortira du placard, on ne sait jamais. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de soumettre aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je n'en vois pas. Du coup, adopté à l'unanimité. Mais Annick, tu gardes toujours la parole, puisque là, c'est pour les porteurs de projets des actions qui relèvent de la politique de la ville. Alors donc, là, c'est effectivement nous qui devons financer des actions. Donc, comme pour la précédente délibération, il s'agit de subventions liées au contrat de ville et au protocole d'engagement financier pour la programmation de la politique de la ville et toujours de ville vie vacances. Mais cette fois-ci, donc, c'est la ville des Ulysses qui va verser ses subventions aux différents porteurs de projets associatifs pour des actions qui concernent les quartiers concernés par la politique de la ville, bien sûr. Il s'agit d'un cofinancement. En effet, ces associations ont également demandé ces subventions à l'État, au Conseil départemental, à la CAF, mais également aux bailleurs des QPV qui, comme nous l'avons vu précédemment, financent des actions dans le cadre de l'exonération de la taxe foncière. Dans le cadre de VVV, il y a des critères bien précis pour ces projets. Donc cela doit concerner
prioritairement des Uliciens âgés de 11 à 18 ans et résidant dans le QPV, favoriser bien évidemment la mixité filles-garçons, renforcer l'éducation à la citoyenneté, la réussite scolaire, la participation à la vie de la cité dans la lignée des objectifs du projet éducatif de territoire et s'intégrer dans le programme d'animation mis en place par la commune pour l'ensemble des vacances scolaires 2022. Il est donc proposé une subvention de 21 500 euros dans le cadre de la politique de la ville et 10 700 euros pour VVV. Je ne veux pas vous citer toutes les actions, mais entre autres, pour VVV, il y a le village culturel en pied d'immeuble avec Léo Lagrange. Avec le COU, il y a de l'escrime, du basket, il y a les Olympiades de la jeunesse. Aussi une action quartier d'Europe avec Jeunes pour le monde et la paix pour un été franco-allemand en Essonne. Et dans le cadre de la politique de la ville, des ateliers scientifiques avec ESCUB et deux opérations avec l'Opéra de Massy. Ager vient nous en parler tout à l'heure du projet Demos, hein, et donc on a entendu effectivement leur interprétation magistrale dimanche. Et aussi le bus Opéra qui rentre dans ce cadre-là et qui a eu lieu aussi dimanche dernier avec un Faust magnifique et un public élysien toujours nombreux. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir attribuer une subvention municipale de 21 500 euros aux partenaires locaux et 10 700 euros dans le cadre du programme VVV pour 2022. Et les crédits, bien sûr, existent obligés. Évidemment. Question observation. Je me permets juste une petite dédicace parce qu'il y a un agent de la communauté Paris-Saclay qui part en retraite, qui a beaucoup travaillé sur la question de la politique de la ville, M. Zrida, et donc je voudrais saluer son action et le remercier pour le boulot qu'il a fait, notamment pour les quartiers politiques de la ville dans la communauté d'agglomération. Et je soumets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. On change de secteur, Madame Ribeiro. On envoie une délégation pour un mandat spécial à Satan. Oui, merci, Monsieur le maire. En effet, je vais vous faire voyager un peu. Alors, je vous rappelle que dans le cadre des jumelages, donc la ville des Ulysses est jumelée avec 4 municipalités, 3 en Europe, Thetford en Angleterre, Satan au Portugal et Nambour en Allemagne, Yon en Afrique, Sédiou au Sénégal. Depuis le mois d'avril dernier, les échanges entre les villes jumelées se sont multipliés. Avec Nambour, des échanges sur l'engagement citoyen dans nos deux villes et l'écologie communale se sont déroulés en avril avec le déplacement d'une délégation ulyssienne à Nambour pour rencontrer l'agence du bénévolat autour de ce projet. Et lors de la réception d'une délégation de Nambour au mois de mai aux Ulysses, nous avons pu leur faire rencontrer différents interlocuteurs sur le recyclage, les espaces verts, les services jeunesse, des aînés et la vie de la cité. Aussi, le déplacement d'une équipe de football U13 du COU s'est fait à Nambour au début juin, suite à l'invitation de son club de football de participer au tournoi d'équipe de 12-13 ans, et qui a rassemblé 20 équipes venues de toute l'Allemagne. Nos 12 footballeurs se sont particulièrement distingués. Ils ont fini 3e et un Ulyssien a été désigné le meilleur joueur du tournoi. Alors avec Thetford, le maire des Ulysses a reçu une invitation de se rendre à Thetford pour célébrer le jubilé des 70 ans de règne d'Elisabeth II. Et deux élus, ainsi qu'un agent municipal et une adhérente du comité de jumelage, ont fait le voyage à Thetford pour cette occasion début juin. La maire actuelle et le bureau municipal de Thetford, mais aussi des membres de l'ancien comité de jumelage de Thetford, nous ont accueillis très chaleureusement. Et nous avons pu nous rendre compte de l'attachement que nos amis anglais témoignent à leur souveraine pendant les cérémonies et festivités qui lui ont été dédiés. Ce fut également l'opportunité d'échanger sur des pistes à développer afin de faire revivre notre jumelage avec Thetford. Et Servane Charpentier, qui faisait partie du voyage, est revenu avec des idées qui pourront séduire nos jeunes Ulyssiens. On dévoilera ça plus tard. Alors, aussi à Sidiou, le comité de jumelage des Ulysses a accueilli récemment le directeur du CASADES. C'est un comité de soutien au développement économique au Sénégal. C'est un organisme qui a assuré jusqu'à présent des formations pour l'autonomie économique des femmes de Sidiou.
et qui ont été financés par la ville des Ulysses. Donc il a notamment pu rééchanger à la vie de la cité à propos du tissu associatif dont nous connaissons tous la grande diversité et la richesse aux Ulysses. Alors, les deux délibérations qui se suivent concernent les deux plus récents de nos jumelages, Satan et à nouveau Nambour. Alors, pour ce qui concerne Satan, et là je voudrais souligner que à quelques endroits, l'accent de Satan n'est pas correct. Il faudrait corriger dans la version finale, à moins que ça soit déjà été fait. Le maire des Ulysses a reçu l'invitation de se rendre à Satan cet été à l'occasion d'une exposition d'artistes ulyssiens sur place. Il a répondu positivement. Cette délibération concerne le déplacement à Satan d'une délégation d'élus, sachant que par ailleurs, des artistes qui exposent et des membres du comité de jumelage des Ulysses accompagneront également la délégation. Comme indiqué dans le texte de la délibération, il est rappelé qu'en mars 2013, la ville des Ulysses et la ville portugaise de Satan ont scellé officiellement leur jumelage, donnant lieu à des échanges de découvertes et des échanges culturels. Cette amitié s'appuie notamment sur la volonté de partager une culture et de grands moments de convivialité, donnant lieu à des visites de personnalités, soit à Satan au Portugal, soit aux Ulysses. En parallèle, les programmes d'échange peuvent être préparés par les comités de jumelage des deux communes et réalisés en partenariat avec les municipalités. Ces échanges, que chacun souhaite le plus régulier possible, s'organisent autour d'événements culturels, festifs et sportifs. En 2019, un projet d'exposition d'œuvres d'artistes ulyssiens à la Maison de la Culture de Satan a été initié par le comité de jumelage des Ulysses, mais n'avait pas pu avoir lieu ni en 2020 ni en 2021 en raison de la pandémie et sera finalement réalisé cet été. Le maire de Satan a manifesté par un courrier en date du 17 mai dernier son souhait d'accueillir à Satan une délégation ulyssienne composée du maire et d'élus à l'occasion de l'exposition « Artistes des Ulysses à Satan » en juillet et au mois d'août, et qui permettra de poursuivre d'intensifier les relations d'amitié ancrées dans le serment du jumelage entre les deux villes. Il apparaît fondamental de permettre aux artistes ulyssiens de transmettre leur culture et d'exprimer leur propre perception du monde. Alors, ils sont d'ailleurs tous ravis que leurs œuvres voyagent, et certains iront leur rendre une petite visite sur place. Pour répondre à cette invitation, le maire et trois conseillers municipaux représenteront la ville lors d'une cérémonie le 24 juillet autour de cet événement artistique et effectueront un séjour de découverte de la ville de Satan à cette occasion. La commune de Satan prendra en charge les frais d'hébergement de la délégation ulyssienne et la commune des Ulysses prendra en charge les différents frais attachés au voyage, restauration, déplacement, etc. Et les paiements pourront s'effectuer par carte bancaire sur un crédit maximal de 2000 euros. Le remboursement des frais sera aux élus, sera effectué selon les dispositions habituelles stipulées au Code général des collectivités territoriales. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le départ de la délégation ulyssienne à Satan, tel qu'expliqué déjà, d'autoriser la prise en charge des frais de déplacement, les modalités de paiement et que les crédits seront disponibles au budget 2022. Et je vous en remercie. Présentation complète de l'action des relations internationales, cher Emilien. C'est pas fini. Est-ce qu'il y a des questions et des observations ? Je me ferai une joie d'aller représenter la ville des Ulysses à Satan. Satan. C'est pas grave. Au retour, j'arriverai. Au retour, il sera. Ouais, je ne demande qu'à m'améliorer. Mais attention, là, il y a Nambour qui arrive après, et là, je vous attends au tournant. Du coup, est-ce qu'il y a des questions, des observations ? Sans doute pas. Des votes contre, je n'en vois pas. Des abstentions, je n'en vois pas non plus. Cher Emilia, adopté à l'unanimité. Mais du coup, à vous de jouer pour la délégation qui part demain. Qui part demain, oui. Eh ben voilà, la grande aventure. Part demain, si on l'y autorise. Oui, il faut d'abord autoriser. Alors, pour ce qui concerne donc cette délibération Nambour...
Je rappelle que le 12 avril 2019, la ville des Ulis a officialisé son jumelage avec la ville de Nambourg en Allemagne, selon ainsi les liens d'amitié et dans l'objectif de renforcer les échanges, notamment dans les domaines de l'éducation, du sport et de la culture, initiés depuis 2016. Alors, depuis 2020, les collèges et lycées des deux villes ont échangé entre classes. Ils peuvent maintenant mettre en place des projets de voyage une fois la période post-Covid confirmée. Comme je l'ai déjà indiqué, le projet d'engagement citoyen et échange de bonnes pratiques entre nos deux municipalités a donc pu être lancé et les déplacements sportifs des jeunes du club de foot du COU s'est déroulé début juin avec grand succès. Cette fois-ci, il s'agit de délibérer sur le déplacement à Nambourg d'une délégation d'élus. Alors, le maire de Nambourg a invité par un courrier en date du 1er mars 2022, monsieur le maire, pour représenter la ville des Ulis à l'occasion du festival de la cerise Ussit, une fête traditionnelle allemande qui se déroulera du 24 au 26 juin 2022. Alors, je me vois dans l'obligation de vous expliquer en quoi consiste cette fête Ussit. Alors, chaque année, le dernier week-end de juin, lorsque les cerises sont mûres, la ville de Nambourg célèbre le festival de la cerise Ussit. Alors, le hussitisme fut un mouvement protestant du XVe siècle en Bohême, précurseur de Luther, de Henri VIII et de Calvin, suite aux doctrines de Jean Hus, un réformateur qui fut brûlé comme hérétique, ce qui a donc lâché la guerre, d'où provient la légende à l'origine de cette fête. Ce festival a une longue tradition et remonte au moins au XVIe siècle. Depuis lors, les célébrations sont liées au siège légendaire de Nambourg, par les Hussites en 1432. Un enseignant, dit la légende, aurait conduit ses élèves à l'extérieur des portes de la ville assiégée pour implorer la clémence du commandant Hussite. Ce dernier accéda à leur demande et donna en plus des cerises aux enfants, d'où la fête de la série des cerises Hussites. Alors, cette fête attire chaque année de nombreux visiteurs à Nambourg, désireux de connaître les us et coutumes de l'époque. De nombreuses démonstrations artistiques, etc., sont prévues pendant ces festivités. Il a été décidé qu'une délégation ferait le déplacement composé de deux élus à Nambourg pour participer à cette fête. Alors, donc, la commune de Nambourg prendra en charge les frais d'hébergement de la délégation ulissienne et la commune des Ulis prendra en charge les différents frais attachés au voyage, donc restauration, déplacement, etc. Les paiements pourront aller jusqu'à 1 500 euros et le remboursement se fera selon des dispositions habituelles stipulées au Code général des collectivités territoriales. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le départ de la délégation ulissienne composée de deux conseillers municipaux à Nambourg à l'occasion de la fête du festival de la cerise du 24 au 26 juin, d'où le départ demain, autoriser la prise en charge des frais de déplacement, approuver les modalités de paiement et dire que les crédits sont disponibles. Je vous en remercie. Merci Madame Ribeiro. Je compte sur les élus pour nous faire un beau retour sur la fête de la cerise. Des questions ? Et apprendre à dire... Oui, excusez-moi. Et apprendre à le dire en allemand, surtout. Madame Marwenda ? Non, mais en cerise en allemand, pouvez-nous le... Kirsch. C'est Kirsch ou quoi ? Alors, me Kirsch ? C'est rien, moi, oh là là. Bah oui. Me fait agresser. Allez. Pas de questions. Ah si, Françoise ? Non, par contre, il y a beaucoup de stands de boissons à cette fête. Ah ! C'est bon à savoir pour l'année prochaine, ça. Il y a de la bière ? Et pas que, hein. Il y a à manger aussi, il paraît. C'est une région où il y a du vin. Oui, effectivement. Apparemment, ils ont... Je mets au défi qu'ils soient meilleurs que celui des Ulis, par contre. Hein. D'ailleurs, il y a quelques bouteilles qui ont... Je goûterai ça, mais je ne vous cache pas que je suis assez dubitatif. Tout à fait. Allez, on passe aux choses sérieuses. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Bon, eh bien, je souhaite bon vent à notre délégation
attention à ne pas abuser des bons produits à base de cerises. Et maintenant, une standing ovation pour notre ami Monsieur Mensa, parce que vous avez une pléthore de délibérations sur les contrats d'objectifs à plusieurs associations ou sections du club Omnisport. Je profiterai d'ailleurs pour vous féliciter pour la fête du sport, même si elle a dû avoir lieu, et la semaine du sport d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs activités, mais elle a dû avoir lieu, être avancée à la matinée. Et puis sur le tournoi de foot organisé par la section foot des Ulysses, le tournoi de foot féminine des moins de 13, c'est ça ? U11. La ville des Ulysses a accueilli un tournoi magnifique. Un petit dédicace à Diara et Maïmouna qui ont fait un super boulot. Puis c'était l'occasion d'avoir une pensée pour Angelo qui était initiateur de la section féminine, qui nous a quittés il y a quelques années maintenant et qui a fait beaucoup pour la section féminine aux Ulysses. Coco. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ce soir, moi, je ne vais pas vous présenter une légende. Je vais vous présenter des légendes. Alors, je vais vous parler des contrats d'objectifs, soit on fait grouper et on vote à la fin. Faites le principe des contrats d'objectifs, puis vous nous dites les associations et les sections. Et puis, s'il y a des demandes de vote par section, si vous voulez, on pourra y revenir, mais je suppose qu'on pourra tout voter d'en bloc. Allez-y, Coco. Alors, donc... aujourd'hui, il y a 6 contrats d'objectifs pour le COU et un autre contrat d'objectifs pour la section Ulite Futsal. Alors, le premier contrat d'objectifs s'adresse aux ambassadrices. C'est quoi les ambassadrices ? C'est un groupement de jeunes filles qui militent pour la mixité et l'égalité entre hommes et femmes au niveau du COU. Alors, quand on parle de l'égalité, nous aimerons que cette égalité se transmette sur le terrain. Alors, l'idée des ambassadrices, c'est faire que sur le plan sportif et qu'au niveau des dirigeants, les femmes occupent les mêmes postes que les garçons. C'est pour ça, nous, dans notre politique sportive, nous avons souhaité signer un contrat d'objectif avec ces ambassadrices où je vous demande l'attribution de 5 000 euros pour les ambassadrices du club Omnisport des Ulysses. Le deuxième contrat d'objectif s'adresse au COU Foot. Ce contrat d'objectif, vous le savez, que le COU Foot... c'est notre équipe phare des Ulysses, c'est-à-dire l'équipe 1 joue en National 3. Que cette année, ça a été un peu difficile. Heureusement, se sont maintenus. Et je trouve que la ville doit aider cette section à se maintenir à ce niveau, de façon à ce que les Ulysses continuent à rayonner au niveau de notre région. Et dans ce contrat d'objectif, il y a 2 choses. Il y a une part qui s'adresse à l'équipe 1, c'est-à-dire l'équipe qui joue en National 3, et une part qui s'adresse à l'équipe féminine, comme disait M. le maire tout à l'heure, a organisé un tournoi U11 dimanche qui a été fantastique parce que c'était un tournoi qui s'est très, très, très bien passé et avec une ambiance formidable. Donc, c'est pour ça que je vous demande d'attribuer au club Omnisport des Ulysses section COU Foot une somme de 15 000 plus 3 000 pour l'équipe féminine. Troisième contrat d'objectif. C'est pour le COU Natation. Vous savez que depuis 2 ans, pas plus de 2 ans, la piscine était fermée. Bon, je vois des gens qui rigolent encore. Merci, monsieur le maire. Et que, heureusement, cette piscine va s'ouvrir au mois de septembre.
Donc, dans le cas de cette ouverture, la section de natation avait besoin d'un coup de main. C'est pour ça que nous avons décidé de signer un contrat d'objectif pour les aider à se relancer de 1 500 euros. Quatrième contrat concerne le COU Basket. Le COU Basket, c'est une section qui, pour moi, est très importante. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de l'égalité homme-femme, c'est une section qui a à peu près 50% de filles et 50% de garçons. Donc, dans ce cadre, nous avons souhaité les aider à former leurs éducateurs de façon à pérenniser les entraîneurs pour que les entraîneurs puissent continuer à entraîner nos enfants. Qui dit entraîneur bien formé dit nos enfants seront bien encadrés. Donc, nous avons décidé de leur attribuer 5 000 euros. Cinquième contrat qui s'adresse au tir à l'arc. Le tir à l'arc fait une politique qui est très, très, très intéressante dans la mesure où la pratique du tir à l'arc se fait avec les jeunes et avec nos aînés aussi, parce qu'ils proposent pas mal d'activités à nos aînés qui sont vraiment, ça les intéresse beaucoup, parce qu'à chaque fois qu'ils proposent des activités, c'est toujours rempli. Donc, nous avons décidé de leur octroyer 1 000 euros. Le dernier contrat qui concerne le COU, c'est sur le sport santé. Vous le savez tous, le sport santé, le COU a le label sport santé, qui a une maison de sport santé labellisée en 2020. Pour des actions de prévention en direction des publics uliciens. La prévention sur la nécessité d'une activité physique, maintien de la santé et se prémunir des pathologies. Favoriser la pratique sportive pour les publics éloignés, marche, fitness. C'est aussi très intéressant parce que vaut mieux faire du sport que de prendre des médicaments. Je crois que tout le monde sera d'accord pour ça. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous mets tous à faire du sport. À commencer par vous, monsieur Mensah, d'ailleurs. Attention, monsieur fait du golf. J'ai changé de sport, je fais du golf maintenant. C'est pour ça, je vous demande qu'on puisse attribuer au sport santé aux Ulysses la somme de 7 000 euros. Le dernier contrat s'adresse à Ulysse Futsal. C'est une nouvelle association qui s'est créée en 2019. Cette association, c'est la jeunesse, une bonne partie de la jeunesse ulyssienne, et ils font un travail super. Moi, de temps en temps, quand je me balade dans les gymnases, je les vois avec les jeunes. Ça se passe super bien. Et je pense qu'il faut qu'on les aide à former leurs éducateurs. Et c'est pour ça que je vous demande qu'on puisse leur attribuer la somme de 1 500. Considérant que toutes ces associations sportives remplissent des missions d'intérêt général et contribuent au développement de la vie associative et sportive de la commune, et que les projets s'inscrivent dans notre vision et orientation de la politique sportive, et par son soutien financier, la ville réaffirme l'engagement continu aux associations sportives. Pour ces raisons, chers collègues, je vous demande d'autoriser le maire à signer
ces contrats d'objectifs. Merci, Monsieur Mensa, pour ces présentations des différents contrats d'objectifs. Est-ce que vous avez... Évidemment, Madame Boussamba, bien entendu. Oui. Alors, je voulais juste rajouter quelques mots. Alors, effectivement, Monsieur Mensa a parlé du sport et je voulais juste rajouter quelques mots sur le sport au féminin. Alors, vous savez que dans nos objectifs, sur l'égalité femmes-hommes et filles-garçons, etc., nous insistons sur le sport chez les filles et dès le plus jeune âge et surtout à l'adolescence et si possible dans certains sports. Nous constatons souvent justement que certaines filles s'interdisent la pratique de sport, de certains sports, car on y voit très peu de filles. Alors, je pense que tous ces contrats d'objectifs vont dans le bon sens. Hein. Voilà. Concernant les ambassadrices du club Omnisport, vous en avez entendu parler. Elles ne sont pas inconnues, puisqu'il y a eu un petit article dans le magazine Vive aux Ulysses il y a quelques mois sur elles. Elles étaient venues rencontrer M. le maire pour parler de leur projet. Elles ont participé déjà l'été dernier à quelques petites manifestations au pied d'immeuble pour pouvoir venir participer à des animations qui étaient faites. Elles ont effectué une formation lors des dernières vacances d'automne afin d'être sensibilisées sur les responsabilités au sein des clubs sportifs. Donc, voilà. Donc, la pratique sportive est importante dans le développement et pour l'épanouissement personnel. Donc, être bien dans sa tête, c'est aussi être bien dans son corps. On en a besoin. Voilà. Donc, les ambassadrices vont avoir un rôle de sensibilisation, de stimulation pour encourager les pratiques sportives, mais aussi pour prouver aux jeunes filles et jeunes femmes qu'elles ont une place à prendre dans les instances dirigeantes, comme l'a dit M. Mensa tout à l'heure, les instances dirigeantes des clubs, et pour y porter la voix des femmes et tenir une place à égalité, à parité aussi, comme tous les hommes. Donc, les autres délibérations concernant les sections foot et basket vont aussi dans le même sens. On n'est pas encore arrivé à avoir dans les clubs des subventions à égalité entre les clubs pour garçons et filles. J'espère que ça arrivera un jour, hein, parce que quand j'entends qu'effectivement il y a autant de filles que de garçons dans le club de basket, mais qu'elles ont un petit peu moins... Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir les pousser parce que le sport collectif est quand même très, très répandu. Les filles aiment bien jouer. J'aimerais bien les voir jouer aussi au basket de temps en temps dans les cours de récréation parce que lorsque je me déplace dans les écoles, je vois souvent que ce sont des garçons qui jouent. On ne voit pas encore des équipes mixtes, sauf quand ce sont les classes qui jouent. Là, c'est différent. Mais effectivement, voilà. Tous ces sports collectifs sont excellents et je pense que les filles vont pouvoir y tenir leur place. Et c'est à nous aussi d'y contribuer avec ces subventions que nous votons aujourd'hui. Donc, je vous invite, comme l'a dit M. Mensa, à appuyer cette initiative en votant ces subventions. Merci. Bien sûr, M. Lomone. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Concernant ces contrats d'objectifs, je voulais saluer déjà le travail que c'était parce que constituer un contrat d'objectif, ce n'est pas qu'une histoire de sous, c'est aussi une histoire d'engagement moral sur un certain nombre de points. Je voulais saluer un peu dans la veine de ce que faisait Madame Boussamba juste à l'instant, les avancées qu'il y a eu sur les questions de l'inclusion. Tu as parlé de l'inclusion femmes-hommes. Je voulais aussi souligner qu'il était question aussi à un moment de lutte contre les questions de racisme et les questions d'homophobie, et visiblement que le COU souhaitait s'engager, le COU foot souhaitait s'engager sur ces questions-là. Moi, je pense que la thématique de l'inclusion dans le sport, faire en sorte que chaque section sportive puisse permettre d'accueillir de façon sereine et pérenne l'ensemble des citoyens uliciens qui sont sur la ville, c'est une thématique primordiale si on veut faire en sorte que chacun des jeunes puisse accéder à une activité sportive et ne pas prendre des médicaments, visiblement. Je voulais saluer cet effort qui, je l'espère, sera suivi des faits, parce que c'est bien de mettre des mots dans une convention d'objectifs, c'est bien aussi d'avoir les actions derrière, mais je te fais confiance, Coco, pour suivre tous ces contrats d'objectifs à la loupe. Avec ses belles lunettes. Merci, Monsieur Lemoine. Vous pouvez compter sur moi. Pas d'autres questions. Du coup, je me vois. On va finir par fondre parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais il fait très chaud dans cette salle de conseil.
Et puis les moustiques commencent à nous faire des cadeaux, là. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Alors, toutes ces délibérations concernant les contrats d'objectifs sont adoptées à l'unanimité et je vous en remercie. Madame Nagy, vous allez conclure l'ordre du jour de ce conseil municipal avec deux délibérations qui sont étroitement liées et qui ont été expliquées dans le petit CM qui a été diffusé en début de conseil municipal. Je vous écoute. Bah, du coup, vous avez introduit à ma place, mais c'est pas grave. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc là, effectivement, on parle du déclassement par anticipation d'une parcelle BM46. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une parcelle qui appartient à la municipalité, qui sert actuellement de parking pour la clientèle du centre commercial. Donc là, effectivement, le projet étant de céder cette parcelle au syndicat de copropriété du centre commercial, donc SAS UGC Cité et le syndicat, qui avait signé une convention de jouissance en 1973, donc ça ne date pas d'hier, donc qui permettra de restructurer une partie existante du centre commercial en une nouvelle aile de restauration, qui sera plus attractive et beaucoup plus ouverte sur l'extérieur, et un nouveau cinéma, donc UGC, avec environ 9 salles et environ 1400 places. Donc en fait, dans ce cadre, la commune va céder donc une partie du terrain donc qui sert actuellement de parking du centre commercial. Donc à cette fin, il est nécessaire actuellement de procéder au déclassement par anticipation des 5 emprises, donc le lot A, B, C, D et E, d'une surface totale de 3985 m², afin de procéder à la cession des terrains. Donc il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir décider la désaffectation des 5 emprises et le déclassement de celles-ci aussi, et d'autoriser donc le maire ou son représentant à signer tous les actes consécutifs nécessaires et à accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci. Vous voulez, Est-ce que je peux enchaîner avec ce que j'allais vous dire, vu que les deux sont liés. Ça ne vous ennuie pas, on met la deuxième, puis on votera les deux en package. Vas-y, La suivante, en fait, c'est juste la continuité, donc l'autorisation d'aménagement extérieur dans le cadre du projet d'extension du centre commercial. Donc là, il est prévu donc de vendre au syndicat de copropriété une parcelle qui appartient à la municipalité, donc d'environ 3620 m², qui servira donc d'aménagement de parvis situés au nord et sud et sous le Haut-Vent, l'implantation de mobilier urbain, la création de surfaces d'espaces verts plantés, de végétalisation basse, ainsi que d'implantation des arbres de hautes tiges d'essences variées qui apportent un peu d'ombre les mois d'été. Des cheminements respectant les caractéristiques réglementaires d'accessibilité et un nouveau dessin du parc de stationnement à l'ouest du cinéma et de la gare routière sans modifier le fonctionnement global du parking dont les entrées restent inchangées. Et pour finir, l'aménagement de 30 places de stationnement pour vélo. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser l'union des syndicats de la première extension du centre commercial des Ulysses 2 à réaliser les aménagements extérieurs dans le cadre du projet d'extension du centre commercial. Je vous remercie. On suivra cet aménagement, notamment l'avenue de l'Aubrac et les abords du parc urbain, avec beaucoup d'attention pour faire un peu de cohérence entre tous ces projets. Des questions, des observations ? Bon, je soumets aux voix les deux délibérations en même temps. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions adoptées à l'unanimité? Merci beaucoup. Juste avant de laisser la parole au public, s'il y a des questions, juste quelques informations qui me semblent essentielles. D'abord, nous avons ce samedi le gala du CEU Danse à Borisvian. Dimanche matin, l'école de musique ulyssienne fera une représentation sur la place du marché. Donc on aura encore de la musique. Sur la place du marché, plutôt du secteur de la future brasserie cette fois-ci. C'est entre 11h et 12h ce dimanche. La semaine prochaine, c'est le début des festivités de l'été. Le samedi 2, il y a le festival des luttes alternatives au parc urbain, débat, animation, atelier. Et évidemment, la soirée la plus importante de l'année, puisque nous aurons une soirée salsa sur la place du marché. Avec le Radazik qui commence ses terrasses de l'été, ce sera l'occasion de pouvoir admirer le déhanché de Monsieur Mensa, spécialiste des spécialistes sur le sujet. Et évidemment, le programme de l'été est très riche. Je vous encourage à le découvrir dans les prochains documents de communication municipale, parce qu'on aura beaucoup de choses. Mais en tout cas, les terrasses du Radazik, ça reprend à partir du 2 juillet.
pour le plus grand bonheur de et Sarah et Coco, mais pas que. Mais Aménie, vous voulez dire un truc? Oui, juste annoncer une bonne nouvelle, puisque nous avons l'enseigne Action qui ouvre ses portes demain matin au centre commercial à 10h. Voilà, un magasin qui était attendu par de nombreuses habitantes et habitants, en tout cas, si vous voulez passer voir le centre commercial et sa vie. Je suspends la séance, est-ce qu'il y a des questions? Madame Keller. Merci Monsieur le maire, ce n'est pas vraiment une question. Je voulais juste vous dire que l'EMU se félicite d'accueillir des enfants qui viennent de Demos. Oui. Et ça, c'est extraordinaire. Et on remercie Demos et tout le monde parce que ces enfants-là, sans Demos, ne seraient certainement pas venus faire de la musique dans notre école. Et nous avons une enfant qui joue du violon et une autre jeune fille qui joue du violon alto. On espère dans 3 ans avoir un violoncelle. Je vous remercie d'avoir fait que Demos puisse continuer et puis qu'on puisse récupérer des enfants en plus, parce que le Covid nous a aussi fait du mal. Merci pour la culture. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, je n'en vois pas, ce qui va nous permettre d'aller retrouver la fraîcheur de l'extérieur. Je vous remercie de votre patiente écoute. Merci à vous toutes et à vous tous derrière votre écran. Et à très bientôt. À très bientôt dehors pour les animations de la ville. Merci beaucoup et bonne soirée.